Salut, salut! Bon, les réglages sont pas tout à fait finis. Je sais pas si je reconnaissais le son du jeu du coup. Alors, c'est où? Voilà. C'est parfait ça! Alors, par contre, on va baisser le son. Résolution. Oula. Voilà, on va être comme ça. Les contrôles. Ok, alors les contrôles ne posent déjà pas. Non, si, ça c'est bon. C'est bon. Charger R. Ouais. Monter, espace, descendre C, ça c'est le rond. Je connais que de nom sur le notifier. Ah, tu vas voir. Ça fait un mois que j'ai pas joué. Ça fait un mois que j'ai pas joué, mais le jeu est bien. Je crois que c'est E. Ouais, ça. Graphisme. Mettre tout au max. Qualité élevée, élevée, anti-crénage, élevée. Gloom on désactive, c'est horrible ce truc. Poussière sur le masque. Je sais pas, on va voir. Flou de mouvement, non. Jamais. C'est horrible. Occlusion ambiante, ouais. Flexion avancée, poussière sur le... Je pense qu'on va laisser poussière sur le masque, on verra bien comment ça rend. Sous-titres, plein écran, affichage. On va pas toucher. Champ de vision, c'est bon. Tout ça m'a l'air ok. C'est parti. On va faire une game en survie. Voilà. Je me tais, je vous laisse apprécier la cinématique. Bon, avant il y a le chargement. Donc en soi, je peux encore parler. Bon, je sais plus quand est-ce que Luc est censé revenir. Je crois qu'il revient genre demain ou après-demain. Et du coup, à ce moment-là, ce sera full ranked lol. Allez, je me tais. Ok, j'ai la main. Alors, je vous explique un peu pour ceux du coup qui connaissent pas. Enfin, je vais pas trop vous spoil non plus. C'est un jeu d'exploration open world. C'est l'autre clic. Assez stylé. Voilà. Je pense vous en dire trop, j'ai pas envie de tout spoil du coup. Si tu connais que de nom. Ok, alors en terre, schéma, tac 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 tac, ça on s'en fout. Là ça dit quelque chose tout de suite, ça dit peut-être plus quelque chose tout de suite. Je crois que je connais un peu le but du jeu est très léger. De toute façon là je pense pas que le let's play... Je pense pas finir le let's play. Hein. Je vais faire un petit truc à l'arrache. Le temps de m'occuper avant que les gens avec qui je joue à LoL reviennent.
Alors. Donc, je sais absolument plus les bases. Je sais qu'il y avait un ordre de trucs à faire. Déjà, on va ramasser les débris là, voilà, qu'on trouve. Ça, on peut le casser et récupérer les trucs. Bon, on a peu d'oxygène de base. Donc, je sais que la strat, normalement, c'est de rush. Ok. C'est de rush. Je sais plus c'est où. De rush, les réservoirs d'oxygène. Et pour ça, il me faut du titane. Donc, c'est le truc qu'on obtenait dans les trucs de calcaire. Il va falloir qu'on en trouve plus. Pas du tout à quoi sert ce truc. En vrai, je suis en train de demander est-ce que je me give pas des trucs pour juste explorer? Parce que si je suis là, en soi, c'est quand même pour explorer. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est clair que je finirai pas l'aventure, quoi. J'ai combien de. Oh putain, j'en ai trop. Je sais même pas à quoi servent ces trucs. Du coup, je te laisse me dire, est-ce que tu veux que je me give des trucs pour pouvoir bah, avancer un peu et qu'on voit des trucs stylés, ou est-ce que tu préfères que je fasse à la légite? Personnellement, je m'en fous un peu. Ça me dérange pas de le faire de façon légite. Et ça me dérange pas de faire des trucs pour avancer et voir des biomes stylés. Ah! Aïe! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Du titane, c'est bon. C'est pas du titane. J'ai plus d'oxygène, moi, par contre, là. Ouais, je vais remonter à la surface vite fait. Est-ce que j'ai vraiment le temps de monter à la surface? Non. Ah. Si. Si, oh putain. Ou c'était close. Du titane, ça c'est bon. Je vais avoir de quoi me faire un premier truc. Oh, ça c'est le champignon. Oh non. Encore ces trucs là. Mais ils font trop mal. Je fiche un peu, mais ça peut te défait le. Bah, en soi. Ça dépend vraiment si Luc revient demain ou pas. On est quel jour là? On est vendredi? Je sais pas. Ouais, les kits de soins, nice. Ah, j'ai quand même une bonne mémoire. Je sais pas du tout quel jour il revient. Je crois qu'il me l'avait dit un jour. Il revient quand? Il revient vendredi. Ouais, donc il revient demain. Je pense que je vais me give des trucs du coup. Pour pouvoir explorer les biomes quoi. Parce que ça fait quand même longtemps que je suis pas venu. Par contre, moi les commandes de. Alors, il y a certains jeux dont je connais parfaitement les commandes. Style Ark, Minecraft, tout ça. Par contre, Subnautica, j'ai tout oublié. Vous allez me voir galérer pendant 3 heures. Je crois que c'est Échappe F3. Faut activer la console. J'ai pas réussi. Échappe F3. Tac, on annule la console du coup. Ensuite, si je fais entrer, j'affiche la console, ok. Ensuite, les commandes de Subnautica. Commandes Subnautica.
Alors, je sais faire un truc pas trop. Pas trop petit, mais pas trop grand non plus. C'est pas ça. Ah si, attendez, c'est ça. Enfin, il y aura ça. Ok, c'est bon, j'ai les trucs. Alors, première chose. Donc oui, je vais vraiment rush à l'arrache par contre. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le jeu, voilà. Ça va être un peu plus violent. On va essayer de faire un truc un petit peu stylé quand même. Allez, je me fixe. Faut que dans 10 minutes on ait fini le truc. Donc là voilà, je vais présenter un peu le vaisseau. On a des stockages. Combien de places de stockage? Ouais, c'est petit quand même. On a une baie où on peut mettre un truc, du genre un petit sous-marin quoi. Au-dessus, on a du coup des batteries. On a un truc de bray, je crois. J'ai pas d'amélioration, évidemment. Ça c'est pour des roquettes. Ça c'est pour les véhicules. Là c'est un petit compartiment. Et là c'est pour le piloter. Voilà. Du coup, en vrai je sais pas. J'ai envie de me give des trucs, mais j'ai pas non plus envie de me give trop de trucs. Déjà on va mettre des stockages, ça va être important. Faut aussi qu'on... Oh là, il y a tellement de trucs à se guider en soi. Je crois que j'ai une autre com... Voilà, c'est ça. Bon, bah, au final, c'est plus une avancée rapide ce Nautica, quoi. Alors, les modules. Donc ça, c'est pour améliorer. J'aurais peut-être un PC portable pour Noël. Ah, c'est cool, ça, en vrai. Bon, Noël, c'est pas tout de suite, mais... C'est cool. Un PC portable, c'est toujours bien. MK3, donc ça c'est pour aller plus profond. Donc c'est primordial. Donc ça je m'en fous, ça je m'en fous. Ça permet d'avoir plus de batterie. Ça de faire un bouclier, donc c'est bien. Ça d'avoir un sonar, donc c'est bien. Répare les véhicules à marée dans le cyclope, ça c'est bien. Lancement de leurre, je m'en fiche. Extinction d'incendie, ok. Moteur thermique. Ça c'est bien. Ça permet d'avoir plus de batterie. Et ça va d'avoir plus de batterie aussi. Je pense que je vais mettre le truc d'incendie parce que je suis prévoyant quoi. Je me connais. Je vais faire n'importe quoi et il va y avoir un incendie. Comment on jette? Je peux pas jeter. Je sais pas, je vais aller dans l'eau pour jeter, je pense. Je vais mettre des stockages, de quoi faire de la nourriture et ce sera tout. Et regardez, il fait nuit, c'est classe. Bon, à part le fait qu'il y ait les... Oula. Ah, attendez, c'est un champignon qui a tapé le véhicule qui a fait ça? Ça m'a fait tellement peur. On voit le réflexe de instant échappe. Hein. Non, un teint d'active com. Voilà. Je crois qu'il y a moyen d'avoir des caméras. Tu le sonar. Non, ça c'est le bouclier. Caméra, voilà. Merde, c'est l'autre clic. Ouais, c'est magnifique quand même comme jeu. Encore là, on est dans le biome de départ. Hein. Il y a vraiment des trucs magnifiques dans le jeu. C'est pour ça que j'ai pas envie de prendre trop de temps à craft, parce que si je commence à partir sur des trucs stylés, ça va être une catastrophe. Qu'est-ce qu'il me faut? Faut que je me give des trucs. C'est ça. Alors. Donc là j'ai de quoi craft, voilà.
Donc il faut craft. Oh, j'ai tous les trucs parfaits. Waouh. Bon, je vais pas vous faire la liste de tout. Qu'est-ce qu'il faut que je pose? Donc tout ça, on s'en fiche. Ouais. Ça, c'est pour craft des trucs. Donc c'est important. Ça, je disais, c'est pour craft des trucs. On va le mettre là. Ça, c'est pour l'histoire, donc on s'en fout. Les medkits, on va en mettre plusieurs. On va les mettre genre, je sais pas, là. Parce qu'encore une fois, je sens que je vais faire n'importe quoi et j'en aurai bien besoin. Ah, ça y est, je commence à vouloir tout aligner. On sait qu'on s'est aligné. Non, je me connais, si je commence à tout vouloir aligner pour que tout soit parfaitement aligné, c'est une catastrophe. Ah! Le mettre au-dessus, mais c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Ok. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Alors ça, stockage, stockage. Chargeur de piles. Ça c'est pareil, c'est bien. Les chargeurs de piles sont nos amis. Et ces rechargeurs de piles là aussi sont nos amis. Oui, j'ai pas de bouffe. Bah tant pis, je vais mourir. Hein. Non, je rigole. Mais c'est un peu chiant. Donc ça, du coup, c'est pour les piles. Ça, c'est pour les petites piles. Ça, c'est les medkits. Ça, c'est pour craft. Qu'est-ce qui me manque? Quoi, on s'en fout. La station de fabrication, on va la mettre là. C'est pour craft, mais craft des meilleurs trucs. Elle rentre pas. Hein. Est-ce qu'on va la mettre? Oh non, ça rend mal ici. Je veux que ça rentre bien. Même si c'est que pour un épisode, je veux que ça rentre bien. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque du coup des pots. Ouais, des pots. Donc on va en poser. Donc ça paraît être de la déco, mais c'est tellement bien ces trucs. Ok. Ouais, ils sont mal mis. Voilà. C'est déjà mieux. Alors, et maintenant, il me manque un truc. C'est les items. Give. Alors, je ne sais pas du tout où c'est par contre. Alors, elle est même pas sur cette page-là que la commande chez Mystica, c'est n'importe quoi. Item, voilà, c'est ça. Liste complète des items peut être trouvée ici. Alors, je vais donc me give des plantes. Des plantes. Des plantes. C'est des œufs, électronique, équipement. Nourriture, 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 nourriture. Oh. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, on est dans l'eau, mais. Bah l'eau descend quand même quoi.
Là, normalement, j'ai des graines, voilà. Parfait. Je crois que c'est ça. C'est un fruit, voilà. Ça donne de la nourriture et tout. C'est parfait, c'est ça qu'il me faut. Alors. Commande du coup et item contrôle V et je m'en donne 6. Voilà. Et là du coup je mets ces trucs là. Et voilà, ça fait pousser des arbres qui me donneront des trucs comme ça pour de la nourriture. On est à combien? On est à 25. Donc ça fait 5 minutes. Donc soit il me resterait 5 minutes pour craft des trucs. Je vais me craft un stuff à l'arrache. C'est-à-dire une combinaison anti-radiation. Ainsi que des palmes. Ainsi que des bouteilles d'oxygène. Donc ça fait. J'ai des gants anti-radiation, j'ai des palmes, du coup mes anti-radiation, casque anti-radiation. Ça, je vais plonger, absorber CO2. Ouais. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Outils. Je pense que je vais pas craft d'outils pour l'instant. Ça, je vais garder. Bon, on va commencer à avancer. Parce que sinon, ça va être chiant plus qu'autre chose. Alors, on passe en mode silencieux. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. On démarre le moteur. Et là, du coup, on peut commencer à avancer. Alors, je préviens tout de suite que je ne suis pas le meilleur des conducteurs. Voilà, c'est comme ça qu'on descend. Donc, premier biome, on l'a juste ici. C'est un biome, voilà, comme ça. Et regardez, il y en a un devant nous. C'est une sorte de. Comment ça s'appelle? De crocodile requin, un truc chelou comme ça. T'as pas encore ton permis? Ah, mais jamais je l'aurai là-dessus. Hein. C'est beaucoup trop dur. J'aimerais juste manger. Pourquoi c'est rouge comme ça? Pourquoi c'est rouge? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout rouge? On a un problème? Je sais pas ce qui se passe. Je suis tellement en stress à 2 secondes du jeu. Au moins, bon, je vais la manger. C'est ce qu'il faut se dire. Ok. Mais pourquoi c'est tout rouge? Est-ce que c'est pas le mode silencieux? Oh, c'est le mode silencieux! Le requin t'attaque. Croquin. Attends, croquin t'attaque. C'est peut-être pour sa queue, c'est rouge. Ah oui, non, du coup, non, c'est le mode silencieux. Maintenant, je sais. Regardez, il y a un autre petit truc là. Je sais pas si je peux le zoomer avec les caméras.
Non, c'est pas lui. Est-ce qu'il est là? Non, il est parti, je crois. Bon, bah du coup, on va avancer. Il y a un autre petit poisson là. Et du coup, là, on arrive dans un biome où le sol est couvert d'herbes rouges. C'est assez classe. Et regardez ce qu'il y a devant nous. Magnifique bestiole. Je vais faire un coup de sonar. Oh, le bruit qu'il a fait, c'est violent par contre. Alors. En dessous de nous, il n'y a rien. Yep, il n'y a rien. Et du coup, non, elle est au-dessus, elle. Elles sont là, voilà. Elles sont classes en vrai. Il y en a une là derrière aussi. Oh, c'est stylé. Par contre, j'espère qu'on va pas lui rentrer dedans. Attendez, mais elle a des trucs rouges aussi sur elle. Oh, c'est marrant ça. Regardez, ils sont juste en dessous de nous là. Je vais pouvoir vous les montrer. Voilà, juste là. Il y a des selles comme ça aussi qu'il y a. Et eux, ils sont violents. Ils sont très violents. Après, ils sont pas forcément très forts. Allez, continuons à avancer. On va descendre un peu. Nous sommes actuellement à 71 mètres sous l'eau. Sachant qu'on peut aller jusqu'à, je crois, 2000, 3000, un truc comme ça. Et bah regardez, on a une faille juste ici, on dirait. Putain, mais leur bruit, c'est pas la chose la plus rassurante du monde, hein. J'ai pas mon permis et je... Je vais rallumer les phares, je pense. Un truc qui fait un bruit, non? Oh, regardez! Oh, vous l'avez peut-être pas. Je sais pas si vous avez le temps de le voir. C'est un. Ah, le nom va revenir. Un warper? Non. Si, je crois que ça, c'est un warper. Et du coup, je vois où est-ce que nous sommes. Regardez, il se TP là-bas. On a vu une petite bulle, il s'est TP là-bas. Bon, bah, du coup, je vois où nous sommes. Et ça veut dire qu'on va faire demi-tour. Parce que ça, c'est un biome vraiment vénère. Biome écologique rempli 7 sur 9 des. Le truc qui peut faire peur à un humain. MDR. Non, pas mode silencieux. Le sonar. Faut voir s'il y a autre chose ailleurs. J'ai l'impression qu'on a changé de biome quand même. Non, on a pas changé de biome, on est retourné dans le biome avec l'herbe rouge là. On va essayer d'aller par là du coup. Non, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Alors normalement, il y a une île quelque part. Je sais pas où. Pourquoi il y a de la fumée là? Wait. Pourquoi il y a de la fumée? Ah mais non, mais c'est là d'où je viens. On est d'accord que c'est là d'où je viens.
Ouais, c'est clairement là d'où je viens. Du coup, on va passer derrière le truc là-bas. Donc le gros vaisseau là-bas. Le gros vaisseau s'appelle le... L'Aurora. Le gros vaisseau s'appelle l'Aurora, du coup. Là aussi, il y a une faille, regardez. Et derrière, il y a une île que j'aimerais bien aller visiter parce que... Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison. Là-bas en bas, c'est le sonar. Je sais pas. Non, mais je préfère quand même déplacer avec le sonar. Le jeu est beau en vrai. Je sais que j'ai dit tout à l'heure, mais. Comme Marc, le jeu est magnifique. Par contre, eux, ils font vraiment un bruit abusé, quoi. Faut pas déconner. Ok, donc ça c'est la barre de vitesse, ça c'est la barre de vie, et ça c'est l'énergie restante. Et pourquoi j'ai plus d'énergie moi? Ah oui, d'accord. Bah je vais devoir m'équiper des batteries. 0%, 0%, 0%. Ah ouais. On a un problème. De l'eau, je vais prendre de l'eau, je vais prendre de l'eau. Je crois que c'est ça. Donc, je fais item, tac, 12. Donc je mets des batteries aux ions. Voilà, donc c'est les grosses batteries là. Ça va bien tenir. Il m'en manque. Je vais le refaire. J'en fallait 6. Donc là, voilà, je mets des batteries à charger. Parce que ce serait con quand même de tomber en panne de batterie. Et je vais aller déposer des trucs en bas. Je vais mettre 2 armoires de stockage. Les armoires de stockage, je les mets où? Pas trop. Bon, là il y a déjà des stockages. Je vais mettre les trucs dedans à l'arrache. Ah, mais il y a déjà plus de place. Oh là là, c'est tellement petit ce stockage. Je vais tout mettre, hein. Je vais pas me casser la tête. Voilà. Je vais même refaire un stuff. Et j'ai pas d'eau d'ailleurs. On va se prendre de l'eau. Enfin, quoique, je crois que ça redonne de l'eau les fruits. Ça redonne de l'eau, parfait. Alors, que je réfléchisse. On est à combien de puissance? 100%, parfait. On active le sonar. Et on va faire demi-tour parce que je me rends compte que j'ai oublié un truc. Parce que c'est bien rigolo d'avoir. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle? D'avoir le gros sous-marin, quoi. Mais c'est bien aussi d'avoir des petits pour aller dans des endroits plus petits.
Du coup, on va retourner à la capsule et je vais vous les montrer. Vous allez choisir lequel vous voulez. Et si vous êtes en retard par rapport au moment où je dis ça, non, il y a 5 secondes de délai. Bah, vous pouvez faire F5, ça refresh le stream. Du coup, vous retrouvez bah, au bon moment. On va aller chercher, voilà, un petit sous-marin, petit estier. Bon, malheureusement il fait nuit donc on voit pas grand chose. On peut pas admirer la beauté du jeu. En vrai je peux augmenter la vitesse hein. Ok, et surchauffe, calme-toi. Ok. Non, faut que je stoppe le moteur par contre. Alors. Alors. Plouf. Donc. Qu'est-ce que vous voulez? Du quoi? C'est ce truc. Non, ok. Alors, non, j'ai. Qu'est-ce que c'est ça, je crois. Alors. Je fais du coup. Ok, donc je fais entrée spawn tac. Non, c'est pas ça. Ok, donc il y a soit ça, on peut utiliser le surtel, donc F5 oublie. Tu fermes la fenêtre et tu retournes dessus. Mais si, non, c'était pas trop tard, c'est bien. Là, je vais écrire un message dans le chat et dis-moi si t'as trop de délai. J'ai envoyé salut dans 3, 2, 1. Voilà. Et du coup, le deuxième truc, c'est l'exosuite. Voilà. Donc, il y a ce truc-là. Qui, du coup, est un robot. Mais qui ne va que sur le sol. Et il y a ça qui est un petit sous-marin. Donc lequel tu préfères? Vous pouvez me dire, je choisirai en fonction de ce que vous voulez. Je me dis les upgrades d'ailleurs. Ok. Juste pour voir c'est quoi ces trucs là? Texture de métaux. De lithium. Ok. C'est où les upgrades déjà? Batterie haute capacité.
pas où sont les upgrades dessus. Donc oui, il y a celui-là. Donc lui, je sais pas où sont les upgrades. Putain, mais c'est un truc de fou quand même. C'est pas ça, pas ça, pas là, pas là. Où sont les upgrades là-dessus? C'est incroyable. Bon, et là, normalement, les upgrades sont là, voilà. Donc lui on peut lui mettre des bras. On va lui mettre déjà la plongée. On va lui mettre. Attendez, ça c'est. Tout ça c'est Simos. Propulsion pour Prowl. Réacteur thermique pour Prowl. Et on va mettre ça. Hein. Alors, il y a quoi? Torpille. Grappin. Grappin, c'est bien. Et canon en propulsion. Voilà. Donc, il y a ça. Qui, du coup. Waouh. Grappin. Waouh. C'est giga violent. Bon, du coup, il y a ça et il y a l'autre truc dont je trouve pas les amis. Si c'est là. Oh, parfait. En profondeur. Ok, donc résistance aux dégâts, sonar et truc d'énergie. Donc, oula, calmez-vous. Lequel est votre préféré? Le petit truc comme ça? Ça fait col 3. Ah, voilà. Ça permet du coup de faire un coup de sonar comme ça. C'est pas mal en vrai. Et du coup, l'autre c'est l'exosuite. Qui est un truc un peu plus de fight. Non, ça se clique. Pouf! Là, il est mort, hein, le poisson, si vous me demandez. Exemple, regardez, je peux aller le prendre. Oh, il est mort! Regardez, il bouge plus. Oh, c'est triste. Tu te sens con, hein? T'es pas dur à attraper maintenant. Hein? J'étais traumatisé, je galérais énormément à les attraper, j'avais des gros lags. C'était infâme. Donc, lequel des deux est votre préféré? Je vais d'ailleurs me give des piles. Item, tac, je m'en give 20. Voilà. Le véhicule est propre. Ouais, voilà. Oui, donc est-ce que tu veux qu'on explore les profondeurs ou est-ce que tu veux qu'on tape des poissons innocents? Comme tu veux. Tout survie de lame thermique. C'est mieux. Bonbonne d'air. Capacité, c'est mieux. Lequel est meilleur pour toi? J'ai votre petit actuel pour la nage. Réduisent considérablement la vitesse de nage par rapport à l'ordinaire. Ouais, c'est pas mal. Canon propulsion
Canon répulsion. Il y a la meilleure sur le Cyclops, non. Simos, non. Et toi, non. Parfait. Alors. Val. Capacité. Ok. Si on veut avancer le véhicule, sinon pour le fun, la rigolade, le robot. Bah non, je pense stocker 15 si je dis pas de conneries. Ah, on peut mettre 15, je crois. Le deuxième, il vient pas. Donc ouais, je pense qu'on va emmener du coup le petit véhicule, ouais. Ok. Ça me va. C'est plus le choix safe, l'autre c'est vraiment plus pour le fight quoi. Alors on se met là. Ça s'ouvre. Et là. Parfait. Et là il est amarré. Qu'est-ce que j'avais besoin d'autre? Oui si, je veux tester le canon répulsion. Je veux voir comment ça marche. Et j'ai oublié de mettre des piles dans le Simos. C'est con. Plouf. Alors. Les upgrades sont là. C'est pas là. Ah, c'est une basket de capacité qu'il faut. La batterie. J'aimerais juste savoir comment ça marche ce truc là. Est-ce que c'est pareil? Oh! C'est encore plus rigolo. Attends, mais est-ce que je peux du coup me faire jump dessus? Je suis sûr que j'ai moyen d'aller dessus. Waouh. C'est quand même moins rigolo. Bon, j'arrête. Parfait. Bon, on va pouvoir avancer du coup. J'ai pas fermé le truc. Ça, j'y touche pas. Ça, on va laisser ça comme ça. Et du coup, direction l'Aurora. Bon, j'ai pas craft tous les items que je voulais d'ailleurs. Il est où l'aura? Il est là. Je vais juste aller me craindre 2-3 items et ce sera bon. Voilà. Je voulais me craindre quoi déjà? Des outils. Un scanner. Même si je compte pas scanner grand chose. Pour faire semblant que je suis un mec sympa alors qu'en fait je vais tout goûter. Donc ça permet de mieux me sentir. Salut Twist, salut salut. Constructeur évité, on s'en fout. Découpeur laser, on s'en fout. On va faire le fusil à stase déjà. Il restera un slot. Bon, on va quand même faire le découpeur laser, hein. Ça coûte rien. Allez. Donc la direction, l'Aurora. Salut, bah oui ça va, ça passe très bien moi mon confinement. T'es plus sur Valorant toi? Oula. Je suis bloqué? C'est pas assez profond pour moi.
Aïe, aïe, aïe. Bon, il perd pas trop de vie, ça va. Attends, j'ai pris des dégâts, moi? Oui, j'ai pris des dégâts. Pourquoi j'ai pris des dégâts? Attendez. Mais non, mais j'ai plus d'eau, mais quel con! Mais non, mais je suis trop con. Je suis en train de mourir parce que j'ai pas mangé. Oh là là, je suis pas possible. Je vais aller drop des trucs là pour me faire de la place. Wait, what? Bon bah du coup il y a un poisson. Les poissons ils passent comme ça en mode de, je m'en fous. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on change les batteries. Putain, mais qu'est-ce qui se passe là comme bruit? J'aime pas le bruit que j'entends. On est toujours en moteur allumé? On est toujours en moteur allumé. Qu'est-ce qui me tape là? Y'a rien. Ha ha ha. Il est vachement drôle cet IA quand même. Ah. Putain, je suis vraiment pas doué. C'est une catastrophe. Allez, remonte s'il te plaît. Bon. J'ai fait n'importe quoi. À part ça. Est-ce qu'on peut pas dire que tout s'est très bien passé? Il y a du mode Dieu sur Subnautica. Je ne crois pas. C'est possible que si, mais si c'est le cas, je ne suis pas au courant. À partir de maintenant, on va être dans la zone du Léviathan. Il va falloir faire gaffe. Je sais que le mode Dieu est prévu pour un jour. Je sais pas s'il est déjà sorti ou pas. En soi, c'est comme pour le. Ok, j'ai des radiations, mais je prends pas de dégâts. D'ailleurs, je vais me prendre un medkit. C'est un peu comme pour le clash de LoL, quoi. Un jour, ça marchera. Un jour. Bon, je vais prendre quand même des trucs de. Fruits. Bon, ça donne pas beaucoup de d'eau, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Pourtant, Squeezie l'a fait. Alors, je sais que c'est possible via des mods. Le truc, c'est que Subnautica n'a pas de workshop. Donc, c'est faisable, mais je sais que c'est galère. Par contre, Squeezie l'a fait en duo. T'es sûr? Merde, j'ai pas activé les. Ici? Mes phares. Oui, regarde Discord. Oui. Tuto multijoueur. Ouais, c'est ça dont je te parlais. C'est un mode non officiel. Donc oui, c'est faisable, mais je sais pas pourquoi t'as le jeu d'installer et tu veux jouer? Jamais descendre un peu. Alors on arrive dans un nouveau biome déjà. Pourquoi pas? Ouais, attends, je vais venir, je pense, du coup. Avec Hamachi. Est-ce que j'ai Hamachi installé sur ce PC? Je suis pas sûr. Non, c'est pas grave, ça va être rapide.
Après, je suis pas sûr que Subnautica en duo ce soit extrêmement fun non plus. Waouh. Après, ouais, je pense. Du coup. Alors, attends. Demain plutôt. Demain, il y a Luc qui revient, donc je pense que demain, je ferai du LOL. Mais là, en vrai, si c'est pas trop long, je peux essayer d'installer. Véhicule. Apparemment, il y a une carcasse de véhicule quelque part par là. Ah oui, j'ai vu un truc. Mais c'est pareil, il y a des dinos là. Enfin, c'est des dinos, putain, j'ai trop joué à Ark moi. Non, moi je vais penser et puis go lol demain. Ouais, mais du coup lol demain. Oh, attends, il y a une bulle là. Ouais, j'ai des signaux. C'est que ça. Ça attaque ça? Ok. On a un problème. On se tire de là. C'était pas prévu. Ok. Donc les traits là, c'est les salvettes. Ok, je crois qu'elle m'a vu. Désactiver le bouclier. De toute façon, là, ça sert à rien. Ah, il y en a une devant nous. Au secours! Ok, ça a l'air d'être bon. Bon, on va passer en mode silencieux. Non, je vais laisser le sonar activé. Si je laisse en activer, est-ce qu'il continue à faire même quand je suis plus là? Non, il arrête. Je vais du coup stopper le moteur. Stopper le mode silencieux. Je vais réactiver le mode silencieux quand même. On a combien de batterie? 83. Je vais changer quelques piles. 216, 216, ok. 1000, 0, 0. Je vais chercher la pile là du coup. Non, j'ai besoin de deux voix. Voilà, et normalement j'ai une troisième 1000%. 1000, 1000. 1000, voilà. Donc on met tout ça à recharger. Voilà. Par contre, je sais pas comment est-ce qu'on change des piles. Est-ce que j'ai une touche? Ça a bien changé. Oh, pas tant que ça en soi. Tu sais, quand tu jouais à Below Zero, bah c'est Subnautica en soi. Recharger, c'est R, ok. Non, c'est pas R. Courir, monter, descendre, reculer, dépasser à droite. Petit suivant, main droite, main gauche. Quitter, devant les PDA, sauter. Comment on fait pour changer les piles? Ça a peut-être pas de piles ce truc. Ah voilà, c'est pour ça. Ça n'avait pas de piles. Ok, donc ça on s'en fiche. Ça a de l'énergie. Et ça a de l'énergie aussi. Je vais aller poser le truc. Presque pas jouer à Below Zero. Bah quand tu joues. Depuis le jour où t'as joué à Below Zero, je crois pas que j'ai rejoué depuis. Hein. Ça va pas tant changer ça, c'est juste que tu t'es pas extrêmement intéressé au. Ah,
On va tout rater. Ah! Bon. On l'a raté. Oula! Wow, du calme, du calme, du calme. Oh non, on l'a raté! Ok. Bah on va le refaire. Ah, c'est con d'avoir raté ça. Attendez. Je crois que je peux vouloir rejouer la cinématique. La cinématique de l'explosion du truc. Ok. Alors. On fait ça. Alors, c'est en trois commandes. Pouf, voilà, il était comme ça. Ensuite. On fait ça. Ça aurait été con de rater ça quand même. On a que le mode silencieux, sonar. On va repasser en comme ça. On a 87% d'énergie. Oula non, pas sur le truc. Ah, par réflexe, j'appuie sur Alt pour descendre, mais c'est pas Alt que j'ai mis, c'est C. Je sais pas pourquoi j'ai mis C d'ailleurs. Dans ma tête, c'était bien. C'est pas le cas. Tu vois, j'appuie sur Alt au lieu d'appuyer sur C. Mauvais réflexe. Attendez, mais en fait, je suis pas en train de tromper de direction là. Mais attendez, j'ai un petit truc cardinal. Ah, mais du coup, je peux aller trouver une map sur internet. Attendez. Mais non. Map Subnautica, voilà. Voilà. Ok, donc normalement il y a une île quelque part. Donc nous on est là de base. Non, nous on est là de base. Ouais. Ok. C'est quoi le lore de Subnautica? On travaille dans un vaisseau du coup qui s'est craché sur une planète. Et il faut se barrer. Mais je vais essayer justement d'aller sur l'île pour montrer un peu. Et elle est où l'île par contre? On la trouve vraiment pas. Je sais qu'il y en a quelque part, mais elle est où? Ok. Ok, donc l'île est là. Apparemment. Donc c'est au sud. Est. Donc par là.
Et piquer le vaisseau, c'est crash. Alors, je connais pas exactement l'or. Mais donc, tu vas comprendre pourquoi le vaisseau s'est crash une fois qu'il sera arrivé sur l'île. Si c'est la bonne île. Ouais, non, c'est la bonne île. Oula. Est-ce que c'est vraiment la bonne île? J'ai des doutes soudain. Floating Island. Si c'est forcément ça. Ouais, si c'est forcément ça. J'arrive pas à comprendre cette boussole. Est-ce que Nord c'est devant moi ou est-ce que... Je vais me chercher moi-même ma boussole. Poche d'air, constructeur. Équipement? C'est où? Boussole, parfait. Ok. Donc on va au sud-est, on a dit. Attendez. Je comprends pas. Comment marche cette boussole? Là, attendez, on va se mettre face au nord. Là, on est face au nord, et la boussole me dit que je suis face au nord, ouais, c'est ça. Donc il faut que je tourne jusqu'à être en face du sud. Sud-ouest. Est. Sud, allez, tu peux le faire. Encore un peu. Sud-ouest. D'accord, donc je suis à l'opposé de l'endroit où je veux aller. C'est bien ça, on est... Oula. Sud-ouest. Ça m'a l'air d'être ça en vrai. C'est vers les réacteurs du Laurora. Apparemment. Et les réacteurs de Laurora. Déjà, où est l'Aurora? C'est vers les réacteurs de l'Aurora, c'est ça, je suis juste très con. Tac, le sonar. Je re... Ok. J'aime bien faire des anciens jeux comme ça. Ça peut paraître stupide, mais... On ira. Vraiment, le truc que j'adore, c'est retourner sur des anciens jeux. J'aime pas faire un jeu parce qu'il est à la mode. Bon, évidemment, ça paraît pas forcément logique, mais. Parce que j'ai fait Fortnite en soi. Et Fortnite, c'était un bon jeu compétitif. C'était. Maintenant. Comment dire? J'ai pas spammé Subnautica Below Zero. Mais ça se trouve, dans 4 mois, je serai sur Subnautica Below Zero en train de faire Let's Play. J'ai pas spammé Ark le jour de sa sortie. Mais c'est possible que. Bah. C'est possible que ce que je raconte. Je fais déjà des SP Ark en ce moment. J'aime pas jouer à des jeux trop connus. Putain, non, c'est C, c'est pas Alt. Après, je reconnais que ça a du bon. Et en soi, je joue à LoL, donc ça fausse un peu mes dires. Et donc les jeux qui racontent une aventure, j'aime pas faire les jeux récents. Oula. J'ai un peu une descente assez brusquement. Il a pas trop perdu de vie, ça va. Mais il a rien perdu de vie, c'est bizarre. T'es en mode survie. Je suis en mode survie, mais je me suis gift des trucs. Parce que bah du coup, étant donné que c'est juste pour aujourd'hui. Donc c'est juste pour aujourd'hui, fallait bien que j'avance vite. Ok, donc là où sommes-nous? Alors, on va quitter le safe. Et donc là, nous sommes dans la zone violette, la Spare Rip, si j'ai bien compris. La Spare Rip. Attendez, il y a un truc que je vois dans leur menu. J'ai pas envie de prendre de risques stupides. Hein. Attends, Spare Rip, c'est bleu comme ça.
Il n'y a pas de saloperie dedans, normalement. Tu vas lol. Ouf, peut-être plus tard. Là, j'ai envie d'explorer un peu ce petit cas. Tiens, je pense pas qu'on voit la... Putain, mais c'est à profond, attendez. Ah ouais. Ah, ça va bien profond, là. Je pense que j'essaierai d'aller sur l'île, d'explorer un petit peu et je m'arrêterai là-bas. Beau biome, hein. Oula, c'était quoi ça? Oulala, ça me plaît pas. Mon sonar l'a pas détecté. C'est bon si, je suppose. Ok, il y a des crawlers en bas. J'aime pas ce bruit du tout. Je sais pas jusqu'où on est censé aller en fait, comme ça. Attendez. J'ai pas envie de me tromper d'endroit non plus. Ok. Un truc qui s'appelle le Grand Rip. Je saurais pas quand est-ce qu'on y est quoi. C'est ça qui me pose problème. Toujours rien sur le sonar. Quoi la différence entre le Spare Rip et le Grand Rip? Je ne sais pas du tout. On va remonter à la surface déjà. Non, on devrait pas tarder à voir l'île. On voit les mecs qui défilent comme ça. Normalement, l'île est par là. Ou alors, j'ai dépassé l'île et je suis très con. Je crois que je suis dépassé et que je suis très con. Bon, au pire, je vais m'y TP. Hein. Bon, je pense que je vais m'y TP. Hein. Un peu la flemme de chercher plus. Ouais. Bah, go TP. Hein. Allez, au revoir la Cyclops. Je sais pas où elle est, ça me saoule. Go TP. Alors. La de lave, c'est pas ça. Dune montagne, mountain cave. Je sais pas comment s'appelle la zone en fait. Maximum Dika. Là, la zone verte, il l'appelle comment? Zone verte, elle a pas de nom. Ah, merde. Vous m'aidez pas là. Floating Island. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle Floating Island? Île flottante, qui s'appelle Island. Ouais, c'est ça. TP Island. C'est pas ça la commande. C'est quoi la commande? Je dois être très bon moi. Ah, le TP la meilleure solution. Oh bah, flemme de chercher là.
Ah, d'accord, donc j'ai oublié le S. Aïe. Ça fait mal. J'étais à combien juste pour savoir? Attendez quoi? Oh non, des bestioles méchantes. Pourquoi j'ai pas accès à mes armes? Ok, c'est bon. Ok. Ah, la meurt. Putain, mais c'est pas le bon truc. Je suis en train de vouloir les dessouder, moi. Alors, on va commencer par te scanner. Voilà. On commence par les scanner parce qu'on a une personne de bon goût. Et ensuite, on va voir où est-ce qu'ils étaient en fait les trucs. Et bah, ils sont bel et bien à 500 mètres. On le voit d'ici même. Attendez quoi? Non, mais je suis fou le con en fait. On était vraiment à côté, mais. Comment? Je l'ai pas vu. Comment je l'ai pas vu? J'ai fait un 360. Donc, du coup, première chose, il y a ça. Petite base abandonnée. Je sais pas si je peux passer. Je suis pas sûr. Oh, une tablette. Pas la prendre. Allez, je peux passer. Ouh, on scanne. Ouh, des tas de trucs. Caisse de fourniture. Oh, des piles. Porte étanche. Non, mais ça, on s'en fout. Bon. Je vais essayer de trouver le truc relativement vite. Ah, je veux tout scan. On va prendre ça. Bon, normalement, il y a un truc que je cherche. Mais j'ai pas l'impression. Je vais pas prendre tout le PDA, on s'en fout un peu. J'en ai sous les trucs que je vois pour l'instant. Je vais quand même, je vais quand même pas passer en gosse pour aller chercher le truc. Oh putain, vous voyez ce truc rouge là? Bah, en fait, on dirait une plante mais entourée de rouge. Et par réflexe, dans Ark, j'utilise un mode. A Spyglass qui entoure les ennemis comme ça de rouge. Donc maintenant quand je vois un truc entouré de rouge comme ça, j'ai le réflexe de fuir. Tu joues après. À LOL? Je vais venir à LOL du coup je pense, ouais. J'aimerais bien juste trouver le truc que je cherche. Bon bah. Oh, allez. Voilà. Pas de plus simple de trouver le truc comme ça. Sauf que je suis même pas sur la bonne île. Bon. J'étais pas sur la bonne île, honnêtement. Flemme de chercher. Allez, on va partir sur LOL. Ce fut court, mais intéressant. On va passer du coup sur le truc LOL. C'est celui-là. Youpi. Du coup, tu joues toi Twist ou pas?
Tu joues? Bah attends, je t'attends. Nous allons t'attendre. Putain, YouTube qui m'envoie des mails pour me dire que je suis en stream, mais c'est tellement du troll ce truc. Wow. C'est classe ce nouveau truc. Truc d'appel Discord. Salut, Ça va? salut! Ah, je suis désolé pour Arc, il buguait, il voulait pas se lancer. Ouais, bah tant pis, le truc est fini de toute façon. Moi j'ai pas pu me viser, moi, avec mes dragons. Tu Enfin, mes verras dragons. lentement le truc. Ouais. Quand j'aurai le temps de monter. Sachant que là, je suis déjà quasiment à la fin du deuxième let's play. Déjà? Mais Oh c'était oui. sur quoi ton deuxième let's play? Ah bah, tu verras pas. Enfin, c'est sur Arc aussi, mon deuxième let's play Arc, je parle. Tu verras bien quel jeu. Enfin, quelle map, tout ça. J'ai déjà deux let's play à pas de prévu sur Arc. Peut-être même un troisième. Ah, ok. Je prends de l'avance. Si je me mute, c'est parce que je mange mes Kellogg's, ok? Ok. T'avais pas vu ma veine, toi? Non. C'est positif et négatif. De quoi ta veine? Ouais. Ouais, je veux pas qu'on fasse un duo bot? Non, Vayne top. Vayne bot, j'aime pas. Tu joues Vayne Top et tu me dis ah, à chaque fois que je jouais Vayne Top, il me disait ah, mais quelle honte, Twist, tu joues Vayne Top. Oh ouais, mais je suis tombé sur des match-ups qui m'ont pas plu. Donc j'ai plus aucune pitié à jouer Vayne top. Ah. Et j'ai encore pas eu de chance et je me suis fait hard counter sur toutes mes games. Enfin, pas Oula. toutes, mais. J'ai eu des mauvaises games quoi. Genre une game sur deux c'était vraiment un bon match-up. Genre Garen, Mundo, des trucs comme ça. Et le reste des games c'était vraiment des match-up horribles, genre Teemo ou Wukong. Des Ouais. trucs infâmes, intuables. Donc c'est vraiment qui tout double. Après Ouais, ça je va, sais le pas. pick est fort et fun. Je sais même pas ce que je vais jouer, moi. Moi j'ai fait des bonnes ranked hier. Ah, j'ai vu que t'étais silver, je regardais J'ai ton gagné plus stream, il est 50. magnifique. Eh, le nouveau fidèle, tu le trouves comment? Je préfère Bien, l'ancien. enfin, moi aussi. Bah, même en termes de jouer contre, jouer avec, jouer. Je préfère l'ancien. Après, j'ai pas joué le nouveau, mais je sais pas, j'ai l'impression que le gameplay est plus plat. Genre. Avant, c'était vraiment tu erres, tu go in dans le tas, tu one shot tout le monde, tu zonia et tout ça. Là, c'est plus lent, c'est plus tu fires, tu cours, tu mets des CC tranquillement. J'aime moi. Moi j'adore. T'as vu le. Tu connais Robalas, ça c'est pas une question à Ouais. te poser. Tu regardes les Best of Solary? Non. Ok, bah. Non, tu vois Robalas et elle dira qu'ils font. Tu vois ou pas? Ouais. Et bah Robalas, au bout d'un moment, il a fait un cri. Bah il était trop bizarre, mais il était à mourir de rire. C'est le dernier Best of Solary à 2 minutes, tu vas voir, si tu regardes. Checkerai plus tard, je checkerai plus tard. Oh, j'ai fait une de ces games de Mundo, c'était incroyable. 14-1, 16. Full armure. Oui. Avec une hydre titanesque. Ce Ah, match-up était t'es vraiment fort. honteux. Je m'amusais bien. Ils étaient full AD. Ils étaient Pas full AD très, chez pas Mundo. vraiment une bonne idée. Non mais le truc c'est qu'en fait j'ai fait. Oui déjà c'est pas une bonne idée. Leur seul AP c'était comment il s'appelle? Nautilus tank support. Donc c'était pas un gros problème quoi. J'avais fait Eh, Lulu support, enfin Lulu AD, c'est fort Lulu AD. Avec C'est Lucas Tempo. correct, c'est correct. Mais il y a mieux à jouer AD. C'est peut-être mieux que le LuAP. Mais le LuAP se joue pas. Donc
Alors. Qui va jouer? Je dis entre Kha'Zix, Rengar et Fiddle. Enfin, pas Fiddle. Kha'Zix et Rengar. Tu peux essayer Rengar, ouais, c'est marrant. Non, mais j'ai déjà joué Rengar. Ouais, mais c'est marrant de jouer. Ah, il veut vraiment Pig Venue aussi. Quel bâtard. Chier, c'est pas grave. Quelque chose. Ah non. Qu'est-ce qui est OTP tier maintenant? Perso, quand je suis jungle, je banne Shaco. Shaco? Ouais, j'aime pas jouer contre Shaco. Putain, mais il est où? Je le vois pas en fait. Banne quelque chose. Ban? Mais. Tu lag beaucoup, je pense. Non, je lag pas beaucoup. Là, c'est fluide, hein. C'est le truc. C'est... Bon, on a encore en attente des joueurs pour l'instant. Je sais pas ce qui se passe. Personnellement, je suis toujours en attente des joueurs. Comment ça? Ah, bah là, t'es en train de pique. C'est à toi de pique. D'accord. Bien, j'ai un problème. Est-ce que si je dive, ça dodge? Bah, je peux pas prendre le risque. Ok. Est-ce que ça m'a pique mort teaser? Oui. Ça m'a pique mort teaser? Oui. Non. Si, ça t'a pique mort teaser? Non. Ça te la pique, ça te la choisit, mais ça te l'a pas. Je ne voyais rien qui se passait. J'ai cliqué sur un truc random pour essayer de débloquer. J'ai vu tout se passer très vite et j'ai vu 4, 3, 2. Ah, bah tu as joué Malphite Tank. Oui, je joue Malphite Tank. J'adore Malphite Tank. Ah putain, j'ai dû vraiment speed là par contre. Ah, je suis contre quoi moi? Je suis contre un Kayn? Je sais pas. Putain, c'est quoi déjà les runes de Rengar? Ah oui, c'est électrocute, bruit offensive, balise zombie. Par contre, si le support prend un AD, je pars AP. Hein. Non, ça va. Pourquoi choisissez vos équipements alors que le dernier n'a pas choisi? Là, c'est encore le dernier qui choisit là. Bah oui, mais je sais pas, normalement quand on voit les persos, quand on voit les skins, c'est quand tout le monde a choisi. Ah non, quand on voit les skins, ça doit être un petit changement, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais non, on voit les skins avant de pouvoir choisir. Là, c'est eux qui voient leurs skins aussi. Du coup, on pouvait pas swap. C'est contre Wukong. Ouais, je pense. Bah ça va, contre Vayne, c'est un match horrible Wukong. Genre, je l'ai fait deux fois. Je sais toujours pas jouer contre. Je pense que. Moi je comprends même pas le nouveau en fait. Nouveau Wukong a pas eu gros rework. C'est juste ses stats et tout ça qui ont changé. Le truc c'est que, genre, contre Vayne, il va devenir invisible. Il va te dash dessus vraiment de très très loin. Il va tirer son combo et il va te mettre midlife sans que tu puisses rien faire. J'ai tout tenté. Toutes mes games se sont très mal passées. Je n'arrive pas à comprendre comment il faut jouer. Genre, il peut me dive. Il peut me rush alors que je suis très loin derrière mes creeps. À une range, je pourrais même pas auto mes creeps. Ah. Donc vraiment, il a un dash abusé, il two shot, s'il met deux combos. Tu joues pas Conqueror, Malphite? Ah si, peut-être qu'il faut jouer Conqueror. Mais de toute façon, là, je pense, Point des Mortels, ça aurait été mieux. Sur contre leur compo. Leur compo, c'est pas une compo, j'aurais pu faire proc Conqueror. Ils ont une team vraiment one shot. Enfin, gros burst. Ils ont une team gros burst, mais c'est là que c'est à moi de faire le taf. Ouais. Bah moi il faut que j'assassine Rakan ou Draven ou Fizz. Ah là ton taf c'est Draven. Rakan il a un dash. Et Fizz il a un inciblable. Ton focus vraiment c'est Draven. Moi mon focus c'est protéger la Vayne. Reconnexion en cours, veuillez patienter. Faut que je protège la Vayne du Wukong et du Fizz. La tier list de Croco. Non. Je suis vraiment focus en ce moment. Mais pas, comment dire. Il le fait pas par rapport à au kit de sort et tout. Il le fait par rapport badass, il est beau. Non, il l'a posté sur Twitter, je crois. Ouais. Moi, j'avais vaguement vu. Il a mis en framboisier qui est le plus pourri Harry. Je me rappelle que je m'étais fait pas une tier list, mais un truc un peu similaire. Juste pour comment dire, mettre au clair mes trucs.
C'est-à-dire les persos que je considère comme des ranges mais qui n'en sont pas, les persos que je considère comme des ADC mais qui n'en sont pas vraiment. Mais t'as un truc, j'essaierai de vous la retrouver. Je vais tenter un clear. Alors, je vais aller raid. Ouais. Après, je vais aller faire blue, gromp, et après, je vais aller faire le karatop. Tu vois? Attends. Parce que. Attends, répète en clear. Je fais raid, gromp, enfin blue, gromp, et après, je vais faire le karatop. Et t'es level 3 avec ça? Bah, je pense que oui. Parce que le gromp. Attends, raid, blue, gromp. Ouais, moi, je suis pas sûr que c'est level 3 avec ça. Bah au pire je suis level 3 avec le Kara. Bah ouais mais du coup si tu tombes sur le Kane qui est en train de faire le Kara. Bah le problème c'est que je risque de perdre trop de dégâts et donc perdre du temps sur clear. Mais attends t'as start. Ah ouais non t'as start avec ça, bah ouais bah du coup t'as pas le choix. Ouais bah du coup start comme ça. Petit conseil du coup de la prochaine fois, start avec 3 potions rouges. Ah oui merde c'est vrai j'avais oublié. J'ai essayé en ulti entraînement. Rengar c'est le seul perso sur lequel j'ai dû me train sur le Clash Jungle en ulti entraînement. Non mais j'avais oublié. En plus. Tu sais, au début de la game, je dis, allez, faut que je prenne 3 popos. Et comme j'ai l'habitude de jouer des persos. Bah, non, mais c'est un point où j'oublie. Attends, je vais juste checker l'ordre. Mais je sais, tant que t'as pas Tiamat, tu peux pas faire les Corbins. Hein. Bah, le truc, c'est qu'en théorie, t'as pas le choix. Bon, là, du coup, tu vas devoir faire, je pense, loup, blue, gromp. Et du coup, tu devras continuer le carapateur top. Unlock le Z level 2, mais je pense que tu l'as fait. Ah, mais il fait quoi lui? Casse-toi, tu le fight pas, tu le fight vraiment pas. Bah, il m'a volé, mais quand même. C'est pas grave, je lui ai fait perdre du temps sur ses. Du coup, là, il va aller faire ses corbins. Ça commence bien. Hein, Sco? Ouf. Honnêtement, je me flippe trop aux premières minutes. Les gens font tellement de hints dans late game que. Franchement, il y a une des games où c'était vraiment une honte qu'on la win. Oh non! Bah, je crois qu'il a reset son auto ou un truc comme ça, mais genre involontairement. Et du coup, tu devrais être plus content que... Non, parce que du coup, bah, j'étais sous tourelle, donc il serait pris un hit de tourelle. Il est allé ward. Non, non, surtout pas. Je vais essayer d'aller top. Non, non, il a ward, j'ai dit. Ah, il a ward, ok. Si, si, j'arrive. Vas-y, tu le tues? Oui. Il est con Oui. Bah, en fait, il essaie de me all-in en early, mais. Bah, les creeps, quoi. Ah mais les creeps, genre maintenant je sais, c'est tellement violent. Genre, je sais plus c'est quel, je sais plus c'est avec quel perso qui m'était fait remarquer ça. Mais je m'étais fait tellement prendre des dégâts des creeps. Tu vas rush cap solaire là. Ouais. Et après si tu fais des feeds, tu vas faire un masque abyssal. Possible. Mais que s'il est feed. Possible. Je sais pas. Doute pas ce point de nommer avec ton écœur de 3. Puis je vois la Katarina faire des dashs partout, ça a l'air rigolo. Je crois
pas que c'est. Ouais, non, épinglier de l'aide. En vrai, je pense que je peux arriver, mais. Le problème, bah non, il peut aller voir, donc c'est fou. Oh non. C'est close, en dommage. Je suis mort, putain, il essaie vraiment de me tuer là. Je pense que je peux le tuer par contre là, le fil. S'il est... Oui, sûrement. Non, mais bon. Il va pas aller dans les bush. Non. Là, par contre, je peux faire un bon gank. Ah, mais. Si je freeze. Oh, mais il y a vraiment eu assez de mana pour R là. Par contre, il fait mal en vrai. Hein. Ça donne pas d'armure ça. Ah, mais ça donne des PV. Ah, mais c'est nul. Mais pourquoi je starte avec ça? Pourquoi les gens startent avec ça? Bon, c'est plutôt nice, mais pourquoi ils ont pas suivi? J'étais en 1v2 et quand je suis mort, ils se sont dit on va y aller. Mec, je vois pas pourquoi les gens ils startent avec le truc qui fait du feu du coup. C'est nul. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'item qui fait de l'AOE, de la cape solaire. Ah oui. Je vois pas pourquoi les gens ils startent avec ça, ça donne des PV et pas d'armure. C'est nul. Mais c'est parce que ça donne un passif. Ouais, mais le passif je m'en fous. Moi je veux de l'armure, je veux être tanky. Parce que là, ouais, ça fait 14 par seconde. Youpi. Moi, pourquoi on fait ça? Moi je suis un bon toutou, hein, je le fais s'ils le font. Hein. Putain, mais les clips, vous faites pas leur votre taf là. Bah, nice que j'ai fait, je pensais pas. Bah, la mid lane, c'est pas ping. Putain, mais je perds trop de mana, c'est un truc de fou. Oh, je déteste ce perso, c'est dingue! Tu vas devoir faire un masque abyssal plus vite que prévu. Hein, bon. Parce que la mid lane, peut-être que je regarde pas ma minimap, mais bon, quand même, faut pas déconner. Il va bien finir par back. Non, non, je sais pas comment essayer l'autant. Après, je la outfarm, ça c'est bien. Wukong qui va sur vous. Wukong qui va sur vous. Ouais. La Katarina elle décale pas. Elle non, bah. Fait, hein, avait... Ouais, mais elle est en 0-4. Bah, mais on l'aurait tué, quoi. Tu surestimes Katarina, je pense. Quoi? 0-4, c'est vraiment peu. Oh, mais il était low, hein. J'ai pas back. En soit, je peux rester à l'infini tant que j'ai de la vie. Lui, il peut pas me dive tant que j'ai mon R.
Il me tue pas. Il y a du lifesteal ou quoi? Je crois que oui. C'est ça. Tout mon temps. Et toi, tu es moins la game que moi. Donc si tu me goïnes pas, tu vas perdre la game en soi. Malheureusement, tes mates font un taf monstrueux. Ce qui est triste. Après, non, notre botlane est en train de win, hein. Pas de beaucoup, mais. Ah, vous êtes vraiment mal. Pardon, j'ai dû fêter l'anniversaire. Ah ouais, il est désespéré à ce point. Attends, et t'es loose dès que le fils était fille. Hein. Quoi? J'ai pas compris. Oh wesh, bah il est mort. Ok, Bah. ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment une dame de merde le truc en fait. De quoi, cap solaire? Ouais, donc là je suis mort. D'une octo d'un creep qui m'a été envoyé parce que ça a focus le Wukong parce que l'AOE lui a fait des dégâts. C'est pour ça qu'habituellement je fais pas cap solaire. Ouais, Ni mais côté pion. quand t'es en teamfight, ça sert. Quand t'es en teamfight, ça sert. Quand t'es en face de lane, ça sert pas du tout. Oh, Y'a vas-y. Wukong bot, ça m'arrange. Non, tu me tueras pas, Rafa. Oula, il m'a vraiment mis tout ça. Ah, mais il est en 9-1. Il est en 9-1 avec un sonore, d'accord. J'ai outplay Death Dance, maybe. Ça peut être une idée. Tu vas faire quoi? La Death Dance. L'item est Ok, tellement c'est. broken maintenant. Ah oui, En il a vrai, changé. ah, t'es pas au courant? Ouais. Bah, mec, ça fait longtemps que j'ai pas loué. Ah ouais, mais ça fait longtemps ça aussi, attends. Ouais, qu'est-ce qui a changé? Alors, 50 d'AD, 30 d'armure, 30 de RM. Bah, avant, c'était un objet AD. Ah, ça donne de l'AD, ça donne 50 d'AD, 30 d'armure, 30 de RM. Et le lifesteal. Ah, ou c'est devenu, oui, pas un peu broken. C'est devenu un item vraiment full broken. J'ai pas de R. Casse-toi. On y va? Non, oui, essaye de le ramener vers. Non.
Ah ouais, il m'a one shot. Le fils one shot, hein. Je sais bien. Faut que j'arrive à claquer un Q. Oui. Ah mais en fait on gagne. Oui. Mais pourquoi on gagne? Parce que... Oh putain. Ouais, parce qu'il y a ça, t'as oublié ça, non? Oh oui. Oh non. Non, faut pas rêver. Bon, j'ai quand même fait claquer ce flash. Je suis content, mec, j'ai réussi à faire ce truc parce que j'ai... Parce que je sais toucher, mais... Oui, nice. Je sais pas si je fais la DevZen sans vrai. Là, j'ai réussi à faire un bon taf, en vrai. En soi, je pense que je vais faire genre juste plus d'armure. Est-ce qu'on a un AP? On a deux AP. Je pense que je vais faire le masque abyssal quand même, moi, du coup. Ça va, j'ai pas beaucoup perdu, non? Non, ça va. Après, LOL, c'est pas un jeu où on perd vraiment vite. C'est pas vraiment des grosses mécaniques pures, quoi. Ah, y'a des mécaniques à apprendre, quand même. Pas tant que ça, quand tu y réfléchis. Hein. Non, il faut aller mid. Mid. Ah non, il fallait bot, 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 full bot. Oh, il va essayer une one shot. Ok, c'était nice ça. Ouais, je vais mourir. Bah, j'ai... par contre, je suis pas là. Hein. T'inquiète. Quoi? Ah, alors tu sais que tu as failli me tuer quand même. Mais non, c'est calculé. Ah on se fait... Ah bah on se fait pas tant violer que ça. Bah ça se passe moyen. Ils ont tous plus de vie en fait. Peut-être que l'ulti était... Ils ont tous plus de vie mais je manque de RM. Oh mais je pensais pas qu'il allait faire ça, il est trop intelligent le... Le Fizz. Bah il est bien Fizz hein. Bah il est intelligent surtout quand même. Ah il est con en fait. Oui. Non mais c'est le truc de tous les mythes ça twist. La plupart des pick mythes t'es en mode oh mais le mec est trop intelligent, mais non c'est juste le perso qui est comme ça. Oh. Ah, la veine est pas mauvaise. Elle a fait un bon truc. Est-ce qu'il meurt? Non, je parlais du Rakan. Ah, du Rakan. J'aimerais qu'on fasse le Drake. Le Drake, tu veux qu'on le fasse? Ouais. Comment c'est le... Ah. Non, oui, alors, du coup, Kane, peut-être. Je garde mon smite. Ok, tape ça. Non, t'approche. On l'a eu. Nice. Il meurt. Lui aussi. Je suis pas sûr. Ah si. Ok, non, y'a la tour. Ouais, y'a une tour. Toujours quelque chose. Je vais m'en occuper, je m'en occupe. Oh, c'est qui qui TP? C'est Wukong. C'est Wukong, et moi je TP sur la lane pour aller prendre l'Herald. Ah. Je pense que vous débrouillez sans moi. Hein. Bah voilà. Mais putain.
Ah, ça fait mal, Veil, non? Ah! Oh oui, bébé! Ouais, non. Non, il fait mal. Hein. Faut le tuer, il faut le tuer, c'est ça le problème. Non, qu'est-ce qu'elle Oui! fait? Si, Oh la ça passe. veille! Si, si, ça passe. J'ai un R dans 13 secondes. Je suis en train d'arriver pour l'escorter. Escorté. Oh, bien joué. Ok, je me casse. Mais vous tuez le Kane ou pas? Pas du tout. Moi non plus. Ah oui, d'accord. C'est problématique. Ah! C'est nice ce perso en tout cas. J'aime bien. L'ancien Putain, mais il a tellement de heal. Les tuta capsulaires? De quoi? Bah les mignons. Oh mais par contre comment il tank le Swain? J'ai l'impression que c'est plus lui le tank. Mais en fait on Oh non. Pas de fou mais on gagne un peu. Un peu beaucoup. Ah bah si on fait des trucs comme ça, casse-toi. Dans ce coup. Le but, hein. Tu butes? Non, je bute pas. Si. Oh, je suis mort. Est-ce qu'il meurt? Non, il meurt pas du tout. Ah, mais je pensais que la veille. Ah, mais tout le monde est mort! Ouais, d'accord. La veine vient d'arriver. Elle le tue par contre. Hein. Est-ce que j'ai de l'armure? Est-ce que j'ai assez d'armure? J'ai pas assez d'armure. Oh oui, il fait mal. Je sais. Ouais, mais bon, one shot. Oui. Mais par contre, comment le Swain il tank? Le fils me fait plus trop de dégâts, ça va. Non, moi le Swain, comment il tank? C'est ça qui me. Un Swain, c'est. Les Swain, ça a des PV max que ça gagne. Ça tank bien du coup. Ok, c'est bon. Faut qu'on réussisse à faire des caches comme ça. On a un teamfight bien meilleur que le leur. Wukong, ça sert à rien en teamfight. Fizz, ça sert à rien en teamfight. Et Draven, c'est pas ouf. Et un Drake-Soon, ça serait bien de le faire. Ouais, j'arrive. Wukong a besoin. Oh! C'est bon. On a failli se prendre une. Est-ce que tu sais R le Drake ou pas? R le Drake. Bah je. Je pense que. Tu veux le raid? Ouais. Par contre, ils sont peut-être en train de le faire. Il vient de spawn. Oui. Ok, ils sont en train de le faire. Je vais R le Drake, tu vas R le Drake aussi. T'es prêt? Go. Ok. Je suis mort. Ça peut passer comme prévu. Ouais. Et il a eu un burst de fou. Non, non, il a smite. Ah. Je pensais que tu. Je sais pas. En fait, je pense que dès que t'aurais vu le Drake, t'aurais dû R instant. Ouais, je sais pas, tu m'as dit attends, attends. Ouais, je sais pas. Du coup, je te faisais confiance. Bah, le R reste longtemps quand même. Je crois que si tu te mets. Bon, le mieux ça aurait été d'être là, mais si tu te mets là et que tu erres, tu peux erre le Drake. Oh, mais ça passe à un poil de cul, comment es-tu fidèle? Hmm.
Ouais, il prend la tourelle quand même. Donc toi tu défends bot, moi je défends mid. Mais juste un creep. Par contre, pourquoi est-ce qu'il y en a deux qui font des mercures? Moi j'ai fait des mercures, ouais. Non mais en ennemi. Pourquoi ils ont fait des mercures? Et pourquoi le racon a deux bottes de mobi? Le racon a deux bottes de. Mais c'est pas possible de faire deux bottes Oui, c'est ce que je normalement. suis en train de me dire. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, Kane? Il venait de notre base, quoi. J'avais pas du tout compris. C'était pas mal, en vrai. C'était pas mal, mais je pense qu'il aurait fallu go in, en fait. Je pense qu'il aurait fallu que tu passes là et que t'essaies de all-in le racan. Pour faire un 1 pour 1. Mais ça aurait pu passer, en vrai. Bah, tu vois, il y a des games comme ça qui sont pas winnable. Non, malheureusement. C'est n'importe quoi qui puisse se permettre ça sans prendre de hit de tour. On est en enquête flex. Oui. Sais, j'ai même pas complété mes mes oeils là, enfin mes yeux, Oui, c'est mes normal, trucs. les dents. C'est normal. Ça arrive vraiment que en ultra late game d'avoir tout complété. Et 20 minutes, c'est pas ultra late. Ultra late, c'est 35. Non! Pas mourir? Mais quel troll! Il ne va pas mourir le... Non, il a flash. Il a flash, il a eu à deux lettres de Kane. Sérieusement. Ils ont Kane raid quoi. Comment je suis censé tenir ma game? Je crois que Kane Raid est le pire pick qu'ils auraient pu avoir pour contre moi. Relou. Oh là là. Bah j'aurais dû pick Vayne. Malheureusement on a eu une autre Vayne. Elle était forte la veine. Elle était pas mauvaise mais comme je t'ai dit bah c'est le pick qui fait ça quoi. Genre tu regardes un de mes gameplays qui joue Vayne, tu dis wow mon dieu mais quel monstre alors que pas du tout. Attends, j'ai eu une capsule de champion, peut-être que je vais avoir Jean. Ouais, trop bien, j'ai eu Jean. C'est faux, je n'ai pas eu Jean du tout. J'ai eu Akali. Je un truc d'écran de skin moi. En sachant que Jean coûte 6000. J'ai 800. Je peux craft un skin en soi, je crois. Non. Un certain. Jean coûte. C'est 1050 pour ces skins là. Oh Ok. là, Jean.
Il y a un H à Jean. Après, faudra que j'aille mettre mon lait au frigo. Et toi, Valorant, ça te dit pas? Non. Viens, après, on fait un one for all. Il est revenu? Je sais pas, je regardais des vidéos, je pensais qu'il y était encore. Laisse-moi deviner, tu regardes Aldariat? Oui, mais je sais que les gameplays. Non, oui, je sais que les gameplays sont depuis longtemps. Ah non, il n'y a pas de one for all. Oh. Depuis longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce que je joue? Darius. Tu la bannes. Ah oui. Ah, qu'est-ce que tu joues? Oh, t'as capi Kha'Zix. Kha'Zix? Kha'Zix, je joue Conqueror. Triomphe. À la crité. Non. Il joue à la Ah, crité ou pas? Conqueror? Conqueror, je sais pas du tout. J'aurais. Je crois que c'est un truc bizarre. Je crois que c'est à la crité, ouais. J'aurais dit Bloodline, mais ça me paraît bizarre. Je crois que j'avais. Pour moi, Kha'Zix Conqueror, c'est Triomphe, Bloodline, Coup de Grâce. Mais pourquoi Bloodline? Pourquoi dans ma tête c'est Bloodline? Mais non, mais c'est du troll là par contre. Oh non, j'ai pas envie de faire cette game. Je veux pas. Je sais pas, je joue un perso fort contre Ornn. Je suis contre Gnar. Non, t'es con. Je suis contre Gnar. Mais t'es contre Ornn. Et le Gnar est mid. Ah oui. Bah, je sais pas, je joue un truc fort contre Gnar. C'est fort, Train Train d'Amer Non. contre Gnar. Viens, on fait un cache-cache. Non. Pourquoi? Non mais au moins je pourrais être en pot. S'il arrive à survivre contre Gnar, je vais éclater la Vayne. Pourquoi tu veux pas qu'on fasse un cache-cache? En fait, t'as qu'à faire un cache-cache contre Viens, le. on fait Alors j'allais dire contre le Talon, mais c'est peut-être pas Talon jungler. Bah, Qui je joue jungler peut-être des devant contre. Gnar. Bah, attends, je reviens. Gnar jungler ça zoom. Je reviens. C'est la botlane. Bah ouais, ça doit être ça. Wow. Je comprends. C'est fort Ornn jungle. Avec déluge de lames? Ouais, c'est ce que C'est une j'allais bonne dire. question. Il va le jouer AD. Non, il va jouer tank. Avec déluge de lames. Ouais. Il va même avec 3 autos, il va pas faire de dégâts. Hein. Je sais pas. Je vais voir son OPGG. Talia a été éduquée par Yasuo pendant
séjour à Iona. Youpi. C'est pour ça qu'elle a été mal éduquée, qu'elle se prend pour une reine. Elle a été éduquée par... Le Horn est un plat. Qui joue rue au fond. Non. Alors c'est une nommée correcte. C'est un plat? Oui. Ah oh non, c'est un gold 1. Mais alors pourquoi tu dis que c'est un plat? Bah gold 1, plat 4 après. Mais il était plat la saison dernière. Flex, ouais ok. Bon il joue pas beaucoup son Horn Jungle, il le joue même pas du tout. Comment c'est top? Enfin, même... Ah non, t'as okay, un okay. Pool de merde avec le... Comment ça, j'ai un pool de merde, j'ai un très bon pool. Ok, bah alors viens top m'aider. J'ai un pool de merde dans mes commentoses. Est-ce que j'ai une question pour toi? Harry a un meilleur pool? Non. Jinx a un meilleur pool? Non. Léona a un meilleur pool? Oui. Tu veux le faire? Quoi? Bah, le stun! Mais elle va pas mettre de spell? Ah, elle a du mana! Mais elle a du mana elle! Moi je peux mettre des spells, je m'en fous! Et toi, est-ce que tu veux le faire tout seul ton buff? Non. Bah alors tu t'assignes très heureux que je t'help. Tu vois, je suis le meilleur pour te pool. Après, tu peux aussi te pool toi-même, hein, si t'es pas content. Non, non, je suis très content de ça. Voilà. Au moins, comme ça, on a mis les choses au clair. Mais tu tryhardes quoi comme jeu en ce moment? LOL. Arc. Point. Ah. C'est bien le dernier boss, d'ailleurs, de Arc. Genesis? Ouais. Je suis pas encore, mais je sais c'est quel boss. Non, mais celui qu'on doit faire en... Qu'on a dû faire tous les deux. Oui. Ah celui-là. Ouais. Honnêtement c'était pas trop dur. Mais j'avais un problème avec les dragons en fait. Avec les quoi? Avec les dragons. Ils pouvaient pas faire les boss. En fait il y avait les Warden. Il y a les Warden. Et... Tu les as violés les Warden? Alors bien sûr. Les Warden avaient 10 millions de PV. Et ouais. Quand tu les attaques en fait ils te renvoient une partie des dégâts que tu leur fais. Uh-huh. Voilà. Le truc c'est qu'en fait ils me renvoient... Comment dire? Je pouvais leur mettre un dixième de vie avant que mon dragon meure. Donc j'étais obligé de faire des potions de vie. Le truc c'est que s'il me met un coup, bah en un coup il me met mid life, ok ouais. En plus des gars qu'il m'a déjà fait. Et t'as pas pris Donc, à 3... Je suis en train de parler d'un Drake Twist. Non, d'un dragon, des gros dragons qu'on a croisés et qui nous a pété avec le début là. Oui. Non, je vais pas prendre un Arlantamis pour essayer de battre un Warden. Alors, je crois que t'as pas compris le twist. Le dragon avait 1 million de PV. Les Warden tapent du 500 000. Donc, en deux coups, ils m'ont one shot. Et quand je leur envoie, quand je les tapais, je leur mettais des dégâts et ils me renvoyaient genre 10%. Ok? Twist? Oui, oui. Ok, je suis là. Donc, il met 10%. D'accord? Le truc, c'est qu'il a beaucoup plus de vie que moi. Et du coup, bah, je suis obligé de me prendre des potions. Sinon, je peux juste pas le faire, vu qu'il se régène très vite. Du coup, je me suis renseigné sur comment est-ce qu'il y avait une strat. Et il y a un mec qui a dit j'ai réussi avec une Wyvern. Donc le Drake que j'avais. Qui avait 22 millions de PV. Et je crois que c'était 50 000% de melee damage. Alors toi? Ah non, t'es pas con. Il m'a mis combien? Il m'a mis 200 de dégâts avec deux autos. Oh oui. Donc en conclusion, après avoir essayé 3 fois et dû restart le serveur, parce que le Drake HL que j'avais était mort, bah j'ai dû buff les stats du serveur. J'ai dû buff les stats du serveur et du coup j'ai eu une Wyvern complètement broken. J'ai quand même pas pu faire les Warden, donc j'ai dû le faire spawn à plus bas level. Donc bah j'ai fini par abandonner. J'ai fait spawn les Warden manuellement. Je les ai butés, j'ai trouvé les Celestiaux, je les ai tame. Et Audracia était pas trop dur en vrai. Et quoi? Le boss final était pas trop dur. Par rapport au Warden, franchement c'était easy.
Les Warden étaient vraiment beaucoup trop requins. Mais va pas parler, espèce de sale, sale méchant carapateur qui sert à rien. Là, là, je pense que je peux faire un truc bot lane vu qu'il n'y a personne mid lane. Et il faut qu'il y ait de l'aide. Oh, j'ai freeze, nice. Je pense qu'on peut faire un truc. On peut faire. Nice. Ça sert à rien, on l'aura pas. On n'aura pas l'autre zigoto. Moi j'aimerais bien voir les PV de... J'ai pas eu le temps de les voir. Toi ça oh, va nice, top lane, tu t'amuses bien contre Gnar? Alors honnêtement, s'il y a un kill avant 20 minutes, c'est un miracle. Pour lui ou pour moi. Pourquoi? Parce que moi je compte jouer très safe. Et non ok, lui il joue Ig hyper aggro en fait. Il vient de faire un semi-dive là. Il est déjà level. Ah bah c'est ça la top lane hein. C'est pareil en mid. Pas toi, je parle à talon. Ouais mais c'est normal. Tu level up beaucoup plus vite en solo XP sur une lane. Toi t'es censé avoir le même level que ta bot lane. Ou que la bot lane ennemie. Ou qu'une bot lane en tout cas. Donc je te gank pas si je comprends bien. Non. Après tu peux toujours venir, on fera peut-être claquer un flash. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire claquer un flash ou aider les autres lanes? Ok, méga Gnar du coup. Ça veut dire quoi en outre assis? Je sais pas. Je pensais que t'étais fort en français. Et en allemand. Par contre, il est. En fait, il est pas du tout tanky Gnar. Si quand même. Bah il joue plaque 2 quoi. Je peux le tuer, on peut le tuer hein. Bah tu vas le tuer. Putain t'es trop chiant. Tu l'as pas tué? Non mais il jump, j'ai aucune raison de le follow, j'ai aucune raison de flash, il va juste flash après. Franchement garder chacun un flash, c'est pas mal hein. Ah mais on m'appelle toutes les deux secondes. Bah raconte pas. Moi en paix. Oh non. Oh Jésus. Ok. Attends, je me suis dépêché. Je me suis dépêché. Mais qui arrête pas de m'appeler là? Il devrait avoir une contrepartie du fait d'utiliser ses jumps. Bah genre un petit coup en PV ou un truc comme ça. Ou en fureur ou n'importe quoi. Parce que pour l'instant en fait, bah dès qu'il a son CD, il peut utiliser son jump. Donc il a pas toujours son CD, je suis d'accord. Mais quand même. Croco de Master of Jungle. Est-ce que tu le trouves fort? Question de point de vue. Il est pas mauvais, après je suis sûr que sur une lane il se débrouille moins bien quoi. Mais c'est pareil, je suis sûr qu'en support je fais n'importe quoi. C'est pas dur à jouer support. Ouais mais il y a quand même des... comment ça s'appelle? J'ai pas des habitudes à prendre mais des... des normes. Et alors c'est au support de ward, c'est au support d'aider à prendre les creeps, à farmer tout ça. Orn il va venir vers moi si tu peux.
J'arrive. Ouais. Quoi? Fizz en train d'arriver aussi. Ok, j'arrive pas. Il m'a one shot. Par contre, je... Il est en 3-1-0. C'est normal qu'il one-shot. Non mais... Alors, j'aimerais voir le replay quand le truc ne m'a pas touché. Vraiment, c'était pixel perfect. Ça, par contre, ça... Mais qui l'a autant fil? Je sais pas, un laner. Moi, je pars deux fois par le talon. Ah, bot lane. Bot lane, il y a 4 morts, il y a 2 kills. Donc il a pris deux fois le kill par le... Pardon. Oh putain, mes autos étaient fort là. Ok, il va RL quelque part. Bah, je viens t'aider. Enfin, non, il va pas RL direct. Il a les RL quoi. Par contre, je vais aller t'aider pour tuer Gnar, j'ai besoin de kill. Il nous en veut deux pas. Hein. Mais déjà, tu sais, il en vient pas. Hein. Ah, ils vont peut-être. J'arrive. Il va rien faire du tout. Ouais, par contre, je veux bien que tu viennes. Oh là là, mon dieu, j'ai très peur! J'ai un R. Ok, nice. Ok, vas-y, tu les butes. Non, t'as vraiment jump? Et Bah, twist! il me tuait sinon. Hein. T'as pris un kill? Putain. Il me Quelle tuait. catastrophe. Non mais tu le tues très clairement. Ah, Non, oui. twist, non. Arrête de faire n'importe quoi. Jump, fais quelque chose. Q. Viens là. Bon, essaie de t'en sortir. Je le tue, je peux, Je je serai pense... plus. Non, tu tues pas. Non mais si, je pense que... Je pensais que j'allais tanker avec T'aurais lui. vraiment pas dû dash out. T'aurais juste dû tuer le Horn et peut-être après dash out. En fait, je pensais que j'allais pouvoir tanker avec mon Conqueror. Mais Tu joues Conqueror? Ah oui, tu joues Conqueror, c'est vrai. je me suis dit peut-être avec un peu de chance j'aurais tanké. Joue pas Conqueror, vraiment. Mais tu veux que je joue quoi maintenant? Je joue Electrocute! pas. Hein. Ah, on le rejoue électro. On n'a jamais arrêté de jouer Electrocute. Il y a juste des gens débiles qui se sont mis à jouer avec Conqueror. Bah alors Croco. Oui, et il a arrêté de jouer Conqueror. Vengeance, tu prends pas ma tourelle comme ça. Ah, il a pris la tourelle, ah. Non, mais pas loin. Et puis moi aussi je fais des plays, hein. C'est pas juste qu'il en est que lui. Soit Oh parce là qu'il a là, Herald. quel... Est-ce que je peux égaliser les plays? Faut que je prenne 40 000 plays. Ça va être horrible. C'est le paradis, y a pas Talon. Il n'y a pas Gnar. Faut vraiment que je prenne 1 milliard de plates. Faut vraiment que j'égalise les plates. Tape vite et fort, s'il te plaît, Trina. Non. Ça me saoule l'ulti de Horn. Chaque fois, ça me touche à 1 cm. Oh non, l'ulti de Horn là, il va carrément me saouler. Ça touche à un pixel près. Oh putain, j'aurais réussi à prendre une play de plus que lui avec l'Herald, c'est n'importe quoi. Toi, t'es bien avec le train d'amer. Ah mais mec, regarde mon nombre de plates, regarde son nombre de plates. Mec, je te rappelle que je me suis pris un Herald. Ouais bah je sais, je t'ai aidé à le repousser l'Herald. Oui mais c'est pas normal que j'ai réussi à prendre plus de plates que lui au final. Vas-y, jump. On fiche un peu de toute façon.
Mon Z revient plus vite que ton E. Votre tourelle a été détruite, t'as entendu, mec? Bien sûr. Putain, mais son E est déjà revenu? Faut que j'aille tuer Vayne. Quel enfer. Je peux pas trop sortir de ma lane parce que sinon je vais me faire gank. Et je peux pas venir aider pour le Talon parce que sinon plus de tourelle. Non mais ils vont arriver sur nous. C'est pour ça que je vais recall ici. Oui, bien fin. Faut vraiment que je me casse. J'ai de quoi acheter tellement d'items. Tellement d'items, c'est tout. Ah, je peux pas me barrer, il y a encore le gars. En plus, j'ai mon TP soon. Non, non, je vais full push, puis je vais TP. Putain, mais il est si chiant son pic. C'est mieux que Fiora ou pas? Oh putain, mais ça touche vraiment. Fiora, c'est quoi comme tir pour toi? C'est clé de tir. Et clé de tir, c'est quoi pour toi? C'est Fiora tir. Les deux se valent, les deux sont horribles. Ah voilà, horrible tir. Et non. Ah fuck. Attends, mais le Q a un ratio AP, ça je savais pas. Le Q qui? De Trinda. Mais ça fait pas de dégâts. Oh, ça me heal. Plus j'ai d'AP, plus ça me heal. Mais il fait pas d'AP par contre. Hein. Non, je sais, c'est une idée de merde. Ah, mais le slow est trop violent. Par contre, ton Q est beaucoup trop cheaté, mec. Et mon Q me rend. Attends. 300 de PV. 300 PV? Ouais, c'est possible. Par contre, mec, c'est trop chiant ton Q en face de lane. Ah, oui, je sais. C'est pour ça que Trinda est fort. Ah, oui, d'accord. Et. Ah, d'accord! Ah, d'accord! Il a pris 4 tours. 4 tours. 4 tics de tourelle et... Non. Non mais je comprends. Tu... Oh, c'était pas crit. C'était pas crit, il y a eu un flash Gnar. Et il y a eu le R de Gnar qui l'a sauvé. Ça semble que ça avait pas crit. Ah, giga unlucky. Bah j'étais quand même à 65% crit quoi. Combien de pourcent? 65. Réfléchis de moi là-dessus quoi. Surtout que Pyke en vrai il était giga bien, j'aurais eu une grosse interrupt. Oh, ça m'aurait mis tellement bien. Mais tu vois, si j'arrive déjà à les gérer eux. Genre. Bon après le. Ah mais le Horn fait létalité. Ça me met tellement bien. Je pense que je vais venir, genre, juste il me fight un coup pour me feed. Oh non. Oh Wisco. Tu... GR. Rediff. Ah, oh, GR après. Comment ça, rediff? Bah j'ai la rediff sur mon stream. Avec le clavier là. Ça m'aide vraiment à savoir si R avant ou après.
Ah non, ça m'est arrivé une fois pour l'instant que j'ai flash avant mais que ça n'avait pas flash. Comme quoi, 25 de Toujours ping, ton ça peut K tuer. 55 RGB? De quoi? T'as toujours ton K 55? Ouais. Moi j'ai. Corsair. Il marche toujours aussi bien. Ah, moi j'ai un Han Pro 2. Qui est plus petit et qui fait. J'adore les bruits, mais qui est beaucoup trop beau. Non, plus petit, moi je pourrais pas. Déjà là, je le trouve pas extrêmement grand. Déjà c'est. En plus c'est QWERTY, hein. D'ailleurs, du coup, toi sur ton clavier, tu peux toucher quelle touche avec ton index? En mettant ton doigt majeur sur Z avec ton index, tu touches quelle touche? Si je mets mon. Attends, mon majeur sur. Moi, mon Majeur sur index. ton majeur sur Z et ton index, quelle touche tu peux toucher la plus loin? U. U. Mais je sais pas Ok. si. Si c'est comme. Je sais pas si c'est pareil en haut sur les AZERTY. Oui, c'est pareil. Toi, tu vas aller jusqu'où? I. T'as peut-être des doigts plus grands que moi. Oui. Comme. Mais lui, il passe comme il veut, hein! Oui, et surtout il flash. Alors. Non, par contre, déconne pas, je suis quand même un Trinda. Ah! Appelons un trisomique là. Je peux tenter un suicide kill. Mais quelqu'un va venir? C'est honteux! Non mais attendez! Mon Q était magnifique, il s'est arrêté de bouger et Ma personne n'est venu! borne! Ils ont vraiment zéro trust en moi, c'est pas possible! Oh, Gnar! Elle a un Oh, Runan? Gnar! Elle a Gnar! Runanieu. Oh, ça Gnar! fait mal ça. La Jinx, c'est pas Oh mauvaise. merde! J'ai l'impression. En tout cas, elle fait des plays, ok. J'aimerais bien split push. Le truc, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'on a besoin de mon teamfight. Non, je m'en fous, je vais split push quand même. T'as vu? Non. Léona, elle a raté. Oh, Mais Jinx c'est bien dans sa game en fait. Ah, j'avais pas vu. Y'a personne sur moi là? Ok. Ça a pas l'air, je pense que je prends la toile top. T'as fait le nouvel item là? Enfin, L'épée item sanglante? 10, ouais. Non. J'aime pas sur T'as vu Trinda en ça? fait. Bah tu m'as dit en début de saison, Ouais, moi c'est pour ce que je split t'ai dit. Le push, truc, Trinda. c'est que Trinda en fait, ton corps build est déjà tellement important de base. Oh, c'était bien ça. De quoi? Tu vas mourir? Ah oui, on Oui. peut pas venir t'aider, hein. Oui, non, quand même, faut pas déconner. Si, ils sont 4 sur Non. moi, ils sont 4 sur moi. Mais putain, mais personne n'a push du coup. Bah on Moi, peut mon taf de pop. split push, c'est de split push quoi. Et pendant que je split push, vous, faut. Comment dire? En fait, quand quelqu'un split push, il faut ne pas fight. Il faut. Oh. Ok. Oh. Quand quelqu'un split push, faut pas fight. Mais quand la personne est en train de se faire go in en tant que split push en 1v5, elle va mourir. Et du coup. Comment ça? Mais quoi? Ah, c'est ce que je disais, je peux pas speed push, sinon vous mourrez tous. J'ai. Non, non, non. Par contre, là, je demande le replay. Putain. Est-ce que t'étais sur ma POV en stream? Oui. Ah, mais merde, on peut pas avoir le clavier. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? T'as flash? Parce que quand il a Q, donc genre une seconde avant qu'il ait Q, j'ai. Mais ça me l'a pas compté, j'ai dû appuyer deux fois sur E. Non. Putain. Course, course, Je m'en fous, je dive. M'en fous, je dive. course. M'en fous. M'en fous. M'en fous. M'en fous, Sko. M'en fous, j'ai dive. C'était worst. Ah, mais t'es mort quand même! Oui, mais je m'en C'est fous. pas worse du tout! Bien sûr que si, attends. Il avait 500 d'interrupt. Non, c'est Ornn ça. Non, il avait 150 d'interrupt. Oh, par contre, je vais top moi en fait. Oui. Je le Là, vais le top. Gnar est speed push. Sa team a compris. Elle a pas engage quand le Gnar était en train de speed push.
Une catastrophe. Donc là, c'est j'aurais pu la tuer. Mais pour toi, non. Là, t'aurais Je pu la suis tuer. là. Bah, au moment où elle s'est repartie, t'aurais pu la tuer. Perso, je pense que j'aurais invisible John dessus instant. J'ai pas maximum E, donc j'aurais pas été loin. Ah oui, non, mais t'aurais été au corps à corps, quoi. Ça aurait suffi. Oh non, vraiment. T'avais pas d'ult? R à 0 seconde. Oh non, ce que... Ah, je pensais que je retrouverais R dans le fight, mais le fight a duré moins de temps que prévu. Mais ils font trop mal, ils sont giga feed en fait. Non? C'est juste moi qui suis mal? Non, la bot. En fait, le truc, c'est que les deux bot lanes se font bien. Mais ils ont un horn qui a stacké 1 milliard de gold. Et ils ont des CC. Sûr. Oh, peut-être le quintuplé. Non, elle est en triplé, non? Ah oui, du coup, Penta. Viens là. Non, pas Penta. Vous, pushez top, moi je push bot, je sais pas. Allez Tiens. au Nash, allez au Nash. Full ping le Nash. Je suis désolé, je lui ai volé C'est pas, le on s'en fout, on quintuplé. s'en fout. Nash. J'ai pas de... Ah si, j'ai un truc. Ouais, le horn arrive en plus dans longtemps. Faut le faire par contre là. Je prends un sur le bot en attendant. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis pris 4 tours de 4 îles de tour. Tu fais n'importe quoi, ce coup? Mais non. Là par contre. Tu vas te Bon faire du coup pas avec nos Veined. R. Tu vas te faire Pikehead et Veined. Mais non, Pike a plus de R, j'ai dit. Ah, mais bah alors tu vas te faire Veined. Bon, le Horn maintenant, en fait c'est nul, Horn létalité. Hein. Oui. Parce que Ça semble pas évident. je lui en V1 maintenant. Eh ben évidemment. En létalité c'est giga nul, mais là il fait du crit. Ça n'a aucun sens son build. Et pourtant il est gold. Hein. Tu penses qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être gold? Non, en vrai, il a fait un taf ok, hein. Le build, ça fait pas tout. Est-ce que je fais de l'armure? J'aimerais bien faire une Death Dance, mais ils ont pas Et en adapté. Si plus elle Ornn... commence à être... Ah Attends. bah elle est faible en fait la Jinx! Oui, la Jinx, c'est bien, hein, j'ai dit tout à l'heure. Je m'étais pas rendu compte non plus, mais Jinx, c'est Moi non bien. plus en fait. Je vais m'occuper du Gnar. Le Gnar, je vais easy, je pense. Faut qu'il a de l'armure. Est-ce que ça Je sais existe pas. Kha'Zix crit? Pas vraiment. T'as pas vraiment d'intérêt à mettre des autos, quoi. Bah ton Q c'est compté comme une auto, non? Non, c'est une attaque qui inflige des effets à l'impact. Comme le Q d'Ezreal, c'est pour ça qu'Ezreal se joue pas critique. Le Q d'Ezreal mais pas critique. Que le Q elle est critique, bah je suis déçu. Mais par contre, moi, il me fait très mal. Ok. D'accord. Mais moi, il me faisait très mal par contre. Ouais, quand même. Non. C'est juste que j'ai pas de call trade back. Enfin, que je voulais pas le trade back. J'ai pas voulu prendre de risque. Oh, elle a failli tuer notre... Ou alors, je fais épée sanglante et de l'armure. Ah, c'est peut-être mieux. Un level de plus que moi. Ah, ouais, effectivement, tu l'as mis cher. Tu l'as mis cher tout seul comme ça? Oui, c'est moi tout seul qui lui ai mis autant cher. Ok, ouais, je pense que je peux le fight du coup. Oui, tu Après, peux le level chill. 16? Oula. Ouais, c'est tu sais que je serais level 15, je l'aurais tué. On est un peu behind en vrai. T'es Faut un pas qu'ils peu aient le behind. Drake, faut pas qu'ils aient le Drake. J'avoue, sinon. Ah oui, ils ont l'âme de pierre. C'est chiant, l'âme de pierre. Oui, c'est infâme. Surtout pour toi. Bah je pourrais pas one shot en fait. Tu one-shotteras plus personne. À part si quelqu'un avant met des dégâts. J'essaie d'arriver le plus vite possible.
Oh putain, non! Putain, mais Harry! Mais prends ce... Oh, je vais essayer d'arriver. On perd pas, hein? Mais non, on perd pas. Toi! Tu me tues pas! Je te laisse! Nice! T'aurais pu faire un penta. Ouais, mais c'est pas bien grave. J'ai pas de... Oui. T'en fais pas. Recall. Ils sont tous morts. Recall, je vais push. Pourquoi? Report Vayne. Oui, la Vayne a un peu une to fight. Pourrait défendre l'inhibiteur. Je pense que là, je vais pouvoir... Putain, mais ça auto pas le truc. Vraiment pas un perso pour des push. Ah non, non. Ah ouais, mais du coup, t'as fait la Defense. Moi? Ouais, je connais pas du tout le build de Kha'Zix Conqueror. C'est bizarre. Ah, c'est ça la Death Dance! Danse de la mort, Death Dance. Ah, je pensais que c'était. J'ai oublié. Le truc que fait les ADC, que font les ADC. La meilleure déchu? Danseur fantôme, pardon, je pensais que c'était ça moi. Ah non, ça c'est tout pourri. Voilà, au début je pensais que c'était ça. Par contre, le Gnar c'est l'un des rares que je peux pas inverser. Étant donné qu'il a fait l'anticritique. Merci. Rendu hein. Bah, y a que ça comme item anticritique hein, dans le jeu. Bah, l'établi. Qui annule complètement les critiques. Complète. Ah, ça c'est... Renif. Je crois que j'ai l'air après, mais je suis pas sûr. Non, j'ai l'air avant. Oh, justice, 22 de ping. Il me faut de l'armure. Oh, il est mort. Mais quoi comme armure? Je pense que je vais faire un grand légivrant. Non, c'est du mana, c'est nul. Je sais pas du tout. Est-ce que je ferais pas un Zonia? Oh. Non, c'est une dé... Non, c'est... Non, j'ai fait de la merde. Oh, je suis nul. Ok. Je sens que c'est une dé de merde. Mais c'est pas grave. Mec, j'ai E-Flash pour aller la chercher. Mais du coup, elle était revenue dans le fight. Ils prennent pas plus de tourelles. Hein. Faut pas qu'ils rêvent. Oh, je suis trop nul, mec. Je vais gouiner la veine, par contre. Oh là là. Co? Non, Sco, t'as pas le droit de perdre. Maintenant, casse-toi, cours. Oh elle m'a mis combien son auto, là? Non, mais c'est bon, on dépêche en soi, c'était worst. Donc, il a combien d'HP le Gunnar en cette forme? 4000. Ah, d'accord. Oh. Ah, cette tourelle à deux. Cette tourelle à deux. Est-ce qu'on parle du fait que c'est moi qui ai pris les deux tourelles? Mais tu crois que c'est à moi de faire ça? Non, mais il y a quand même un problème. On va me faire quoi du coup comme armure? La Defdance c'est peut-être pas si mal en vrai. Faire Defdance quand même. Coro Bizarre. Tu penses qu'un jour Coro Bizarre il aura un score positif? Non. Ah. C'est sympa pour lui. Oh non! Comment? Ok, je viens pas. Ok, non, je pense que. Si je peux tempo 3 secondes. Mais comment il savait que j'étais là? T'es Ward?
Au secours! Ok, je me casse! Casse-toi, on peut que compter sur toi là par contre. Si dans 30 secondes je reviens, mais dans 30 secondes je pense qu'ils ont fini ce code dans 30 secondes! Non, cours, 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 sustain pas, cours! Je doute qu'ils me one-shot, mais on sait jamais. Ok, si. On a perdu. Ils sont tellement feed. Le truc c'est qu'ils ont un horn qui est efficace, nous en late game on a rien. Enfin on a Harry et toi, mais vous vous êtes nuls en late game. On va chercher un truc à manger, je reviens. Ouais, le goûter quoi. Allez, anime le stream. Anime le stream. Attends, comment je pourrais animer? Bah, j'aimerais bien vous parler d'un manga qui m'a bien plu. Un manga pas très connu, qui s'appelle Demon Slayer. Bon, je pense que je rigole, il est quand même... Mais du coup, en japonais, il s'appelle Kimetsu no Yaiba. Mais il est très bien, il est... Comment dire? C'est en gros quelqu'un qui doit sauver sa sœur. Et pour sauver sa sœur, il doit tuer le roi démon. Voilà, c'est... Et il va devenir un profondeur de démons. Et voilà. Sinon, je peux faire des blagues, hein. Par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme blague? Bon, je vais peut-être pas faire de l'humour noir vu que Sko est en live. Bah, Sko est parti manger. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire comme blague? Putain, mais en fait, j'ai pas de blague en tête à part de l'humour noir. Bon, bah, j'ai pas trop de blague en tête. Ah, si, c'est pas trop une blague. Et vous regardez la dernière vidéo. Vous allez vous taper sur YouTube Solari. Solari. Vous allez sur le dernier best-of. Tio tente d'achever t'épouse. Vous allez à 2 minutes 25. Vous mettez le son à fond. Et vous attendez le cri de Robébou. Et puis voilà, ça va vous faire une blague. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans le chat. Si vous allez à 2 minutes 25. Et voilà, je l'ai mis dans le chat si vous voulez. Putain! Ah bah ça anime bien ce que je vois. Sko! Alors. Peux pas qu'on mette... Eh bah y'a l'Urf qui est revenu! Sko? Oui. Tu peux me mettre Modo? Sûr. Sur ton stream. Ou si ça t'amuse. Honnêtement, y'a tellement personne qui parle que je peux modérer tout seul les messages. Ah bon? Ouais, bah j'en ai mis un sur ma dino. Vous n'êtes pas modo pour cette action. Ah, je sais pas. Maintenant, je suis... Parce que, en fait, normalement, quand tu... Non, attends. Normalement, quand tu mets un message... Non. Attends, je vais te mettre modo. C'est où déjà? C'est là. Non, en fait, quand tu mets un message qui est pas autorisé, ça me demande est-ce que je le mets ou pas. Du coup, je suppose que les liens, ça dit non direct. Ah, on choisit le père reçu? Je sais pas du tout. Ah, mais j'ai l'impression que c'est du one for all, un peu. Non, on va pas tous avoir le même pic. Là, c'est le pic qu'on veut prendre, je crois. Je prends du Kura. Oh oui, Cassio, c'est bien aussi. Je vais m'amuser avec Nautilus, moi. Bannissez un champion. Qu'est-ce qui peut être chiant? Oh non, je veux jouer Fizz! Non, je l'ai pas. C'est qui? Un perso bancal, Maître Yi. J'ai Monsieur Fizz! Je connais ce qu'on met. Attends, ton pseudo c'est quoi? C'est Twist avec un T majuscule. Qu'est-ce que tu peux faire? Je te trouve pas. Mais attends. Regarde, tu vas dans le chat, il écrit
il twist et quand tu vas sur un message, il y a écrit à droite et normalement tu peux. Effectivement, je suis en train de me casser la tête pour rien, moi. Ah, oh, je vais m'amuser, je sens avec ce pic. Dark Harvest, Scopy, on va tous les deux, bot lane. Ok, attends. Ok, ça me va. Mais je te rends compte que je suis un mot où je peux prendre réoffensive. Ok. D-bot. Passe. Ok, ils ont Shaco qui est cancer, ils ont Vlad qui est cancer. Collé. Donc c'est bon, je peux mettre un URL. Du coup, c'est la vidéo que je te disais où Robebou il crie. Merde, j'ai dit mon dashboard. Ah, ok. Bon, je regarderai plus tard. Elle est à 2 minutes 30. Je regarderai ça plus tard. Enfin, à 2 minutes 20, tu vas. Je regarderai plus tard, je t'ai dit, t'en fais pas. J'ai putain, le temps. J'éteins mon téléphone. On va bien s'amuser là. Putain, heureusement, ce mode là c'est pour les pisslots. Non, normalement, devait être du one for all. One for all, c'est pas pour les pisslots. Franchement, je préfère ça au one for all. Ah, tu t'amuses plus qu'en one for all. Là, tu veux jouer un Pickfun, tu joues. Bon, t'as les bans, ok, mais si tu veux jouer un Pickfun, tu le joues. J'ai pas pris ta carte, ce mec à la brutie, je suis. Si. Quoi? Si. J'ai pris Dark Harvest? Tu as Dark Harvest? Ah, mais c'est parce qu'il y avait un autre fizz. Du coup, j'ai regardé. Bah oui, mais faut avoir un skin. Faut avoir un skin, Twist. C'était les pauvres qui ont pas de skin. Non. T'en as un. J'en ai un à craft. Ça compte? Non. Si, attends, il coûte super cher. C'est Fiora Project. Mais Garen il va pas s'amuser s'il le joue pas AD. Ah non, mais il va le jouer AD. Bah non, il a pointe de l'immortel. Ah, ça n'empêche pas qu'il peut le jouer AD. Bah oui, mais il va moins s'amuser. Oh, je pense qu'il va tout le temps s'amuser. Warwick nous traque en ce moment même. Super. J'en ai rien à foutre. Est-ce que le FBI m'observe? Est-ce que tu penses que le FBI t'observe, toi, Sco? Hein? C'est peut-être un des viewers. Le FBI? Qui sait? Peut-être. Qui sait, comme tu dis? Qui sait, comme dans Tokyo Ghoul, je crois. Du coup, j'ai regardé ton... J'ai commencé... j'ai regardé un peu les critiques de ton manga, là, à coup... Akuma no Riddle. Ouais, voilà, Akuma no Riddle. En fait, c'est tu sais, dans ma tête, il y a manga que je connais par rapport au comment dire. Au ref. Non, pas au ref. À la page, tu vois. Mm-hmm. Par rapport aux photos. Dans ma tête, il y a un coin où il y a plein de mangas comme ça. Ah, j'ai freeze. Viens là, fais un bataille de débile. Mais casse-toi Twist, tu vas juste mourir. Non, je me mise. Moi si, en tout cas. Ils vont pas venir, hein, faut, hein, t'inquiète, hein. Je te protégerai. T'en fais pas. Donc que tu disais? Je disais que y a des mangas comme ça qui sont dans un coin de ma tête et qui sont références par photo. Du coup je les connais mais que par photo, je connais pas leur nom ni leur histoire. Mais c'est spécial, moi c'est l'inverse, c'est je retiens au nom. Par exemple, Attack on Titan, tu veux pas regarder parce que c'est trop connu. Voilà. Putain, mais t'es bizarre toi. Pourtant, c'est un manga 3. Alors. Du coup, je meurs pas. Tu tues. Mec. Oh, Sco! Voilà, fais gaffe! J'ai rien à mon level 2. Mon level 2, ça a tellement augmenté mes dégâts, mec! Mais moi aussi! Mais non, mais mec, ça va littéralement les tripler, hein! Oh. Vite, vite, level 2. Level 2, vite. Oh oui? Oh non, j'ai pris Sco! Je suis mort.
Ouais, j'ai freeze comme un porc. Oh la tour! Ça fait mal la tour! Oui! Oui, oui, elle m'a mis un hit! Oh, t'as perdu les 3 quarts de tes PV. Oh, tu non, je me casse, je me casse. Quel con! Quoi? Il meurt. Non, il meurt pas! Ah si! Viens là, viens là, essaye de faire le fou! Oh, j'ai freeze, mec! Je suis en train d'aller sur toi. Oh! J'ai trop faim. Ah! Je t'en conjure! Ne recule pas! Ne recule pas face au danger. Ah non! Non, c'est pas bien ça, Twist! Recule, recule, recule. Mais casse-toi, Twist, casse-toi! Non, vite! J'ai freeze! Putain de merde! Putain, mais comment je bug? Mais pourquoi j'ai un level de différence aussi? Oh, il a chaud du plus tard. Ah, c'est la mort pour moi! Oh, tu. Casse-toi, Twist, casse-toi. Non, mais mon E, il est pas... Il s'est pas mis, mon E. Ah, t'es mort. Oh, putain. Oh non, il avait son Q. Et mon E, il a pas voulu... Pourquoi j'ai pas un retour caméra? Enfin, un retour clavier, vu que... Ah. J'ai pas eu tout ce qu'il faut, Max. Je max le Q comme un con. Oh, il est mort. Full mort. Full mort. Oh oui, je suis trop fort. Vite, sustain, Twist. Je freeze. Je sustain, là. Oh putain, c'était close, ça. Il peut vraiment du sustain. Moi aussi. Il va falloir me go in. Oh là là, j'ai très peur, Twist, j'ai peur. T'as pas à avoir peur, mon loulou. Ok, si, j'aurais dû avoir peur. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ok. C'est worse, worse it. J'ai bientôt mon hydre. Et là, je vais commencer, un, à faire encore plus mal. Bon, lui aussi, en soi. Oh, ils sont partis faire le Drake. Attends, arrivé. Secouez de moi. Mais ça va jusqu'à là, son truc de merde. Oh, bien joué, Squid. Trop fort. Quoi? Il ignite. Mais gros, il meurt. Le closet. Non, même pas. Bah, j'ai bien fait d'aller là. Moi, j'ai mon identité d'esc. Bon, first item, gros pour Spike. Je t'ai pas avec toi. Il est là, il est là. Je... Ah, t'es mort. Dis-moi, t'as bien fait d'aller là, petit con. Calme-toi. Je suis un peu trop énervé. Oh non, y'a lui. Oh non. J'ai pas mon ulti. Sco. Oh, j'ai pas mon ulti. Trop pas content. Ah. Oh mais j'en ai. Mais pourquoi? Mais attends. Alors... Attends, j'ai 15 creep, il en a 8 et il est 6 avant moi. Oui non mais c'est en termes d'XP Twist là, c'est en nombre de morts. Comment ça en nombre de morts? Il a le même nombre de morts que moi. Bah il a resté plus longtemps sur la lane que toi. Tuer, ce qu'on tuer. 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 On prend des plates là maintenant. Slay.
fucking slay. Fucking slay, Isco. T'entends ça? Oui, on se casse. Fucking slay. Fais gaffe, il va vouloir ult. Ah. J'ai pas d'ulti. Putain, mais il fait trop mal, le Vlad. Je meurs pas, hein. Si, si. Non, c'était le... Oh, mais attends, mais ils sont tous RM en fait. Enfin, ils sont tous full. Ils sont full AP. Oh, je vais faire plaisir, mec. Ah oui. Merde, attends, j'ai pas acheté assez d'objets. Putain. Mais ils font trop mal. Mais attends, mec, j'ai 113 de RM. J'ai 113 de RM twist. Ils viennent de one shot. Tu les butes, hein. Voilà, slay. Allez, on prend un tower. Prends un tower. Puissance du... On prend un tour. M'en fous. Bah, je fallait pas trop que je m'en fous. Tu t'en fous, Sco. Tu t'en fous. T'es trop fort. Le cassa dans la bump, mec. Oh, je suis mort. Juste slay. Putain. J'ai vu un truc de la part. Le cassa dans fait mal, mais surtout, il silence. J'ai été abasourdi par le level du Garen. Tellement c'était... Ah. C'est rigolo, Cassadin. Non, mais arrête, ils vont... Après, ils vont surrendre. T'es prêt? On va le slay. Slay. Fucking slay. On le slay, hein. Slay. Juste. Slay. Juste, tu slay, en fait. Faut que je me heal. Allez, heal-toi. Je suis full vie, c'est bon. M'en fous. Juste on slay, mec. Hein. Même si c'est pas le bon, on slay. Putain, mais il a son cul plus souvent que moi. C'est un truc de fou. Oh là là, ils font trop mal en termes de dégâts AP. Le Shaco est AD. Le Shaco est AD, ouais. Là, je me disais bien. Je me disais bien que ça faisait mal. Eh bah tu m'étonnes. Oh mais il est pas drôle la ulti. Oh non. Sco non. Je suis abasourdi, Sco. Sco, je suis abasourdi. Est-ce que toi aussi tu es abasourdi? T'as été prendre quoi à manger d'ailleurs? Merci. Et... Slay, Sco, alors, si tu me réponds pas. Tu slay. Ah. Moi, je meurs pas, hein. Il est où? Mais il le fait exprès. Ok. Donc oui, tu disais, je slay tout ça. Qu'est-ce que t'as pris à manger? Ah. Des gâteaux random. Putain, il faut slay dans la vie. Hein. Slay. Je suis un putain de slayer, mec. Je suis un slayer. La tourelle, elle se fait dépop, c'est incroyable. Ah!
toi. Je slay, mec. Full slayer. Je slay. Oh fuck, j'ai pas assez slay. Faut que je crie plus fort. Non. Oui. Si, ça passe. Oui. Oui, le sustain. Ah, d'accord. Non, pas le sustain. Je manque de dégâts. J'ai du sustain, mais pas suffisamment. Oui, mais mec, regarde mon build, c'est n'importe quoi. Tu manques de sustain, Sko. Mec, au bout du rollo, Hydrovoras, et là je suis en train de faire une death dance. Je vais certainement mourir, mais sache que je serai mort en héros. D'ailleurs, Twist, c'est quoi qui marchait pas? C'est Ark ou c'est le serveur? C'est Ark. Ah merde. Plus que toi, hein. Donc, tu slay. Slay. Mort. Ok, c'est bon, je suis pas mort. Pourquoi tu voulais que je meure? T'es pas sympa. Non, je parle pas à toi, je parle... Meurs. J'arrive le plus vite que je peux. Je slay en fait. Ok. Ah mais oui, tu joues Dark Harvest, je le disais bien. Mec, regarde ce sustain, plus 140 par coup. J'ai 2 d'auto-attaque, donc toutes les secondes je regagne plus 300 PV. Je suis un Mundo quoi. N'en finis pas. Non mais je veux tuer le Fizz. Non, je m'amuse, quoi. Mais je m'amuse pas là! Ils ont tous des Zonia, mec! Non mais. Zonia, c'est trop chiant! Je m'amuse plus là! Appelle-moi sniper! T'es prêt? Vas-y! Voilà! J'ai freeze, mec! Je suis trop content! Ça peut te rassurer, c'était très nul! Ah bah. Ça te rassure? En fait. Juste, je slay pas parce qu'il m'a tué! Est-ce que ce serait pas l'heure de l'item que j'aurais dû faire en first item en fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Bah le visage spirituel, voyons Twist. Donc, dans l'état actuel des choses, j'ai 18% de level de vie. Plus une Death Dance, plus une Novoras, plus un nouveau du rouleau. Je pense que je devrais me heal assez. En fait, faut juste que je tente pour me heal quoi. Mais il y a un problème, ils ont un AFK. Oh cool! J'avais pas remarqué ça, mec. Oh, j'ai mangé McDo ce midi. Mais non, mais je prends tellement cher. Mec, j'ai mangé McDo ce midi, c'était trop bon. Pourquoi je prends aussi cher? Il y a 4 items, j'ai 4 items. Enfin, je vois pas pourquoi je prends aussi cher. Mais le Garen il s'amuse pas. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr qu'il s'amuse. Non, je pense qu'il s'amuse quand même. Bah, personne ne lui fait des dégâts. Oh! Oh! Il s'en sent vraiment là? Mais attends, je te parie que je solo Nash. Mais attends, pourquoi il regarde Kassa, regarde, il y a un... Oui, non, j'ai vu leur base galère, mais mec, regarde le Nash. Non, mais là, regarde. Où ça? Tu vois pas? Où est-ce que tu pignes? Où est-ce là, que t'es? Où je suis. Ah oui, ok. Mec, regarde le Nash, je me fous le heal. Il y a un petit problème de modélisation. Je suis en train de solo Nash, mec, je suis en train de perdre 0 vie. C'est rigolo. Je t'amuse à slay là en fait. Mec, je suis en train de doubler le Nash, c'est incroyable. Tu meurs, toi.
pourquoi moi je slay pas en fait? Parce que je me fais. Il a combien de filles? 20 000 PV, putain, j'ai l'impression d'être sur Ark. D'ailleurs, mec, c'est horrible là, de tame sans les 30 carreaux. Tu sais, on avait des Anunnaki 30 carreaux. Ouais. Bah, j'ai fait un nouvel aspect du coup, j'ai pas ces arrows là. Mec, pour tame un dunk, c'est le dino le plus dur que j'ai trouvé à tame. Il faut 270 flèches. Horriblement long et on peut pas le trap parce qu'il casse les murs. Hey. Ah, je suis mort. Est-ce que tu peux? Oh, j'ai été safe. Attends, je vais attendre le cassadin. T'aurais dû chanter pour l'honneur de Twist. Oh, play. Ce fut long. Ah, tu viens juste de tuer le Nashor. Oui, ah, ça m'a pris du temps. J'ai fait pas beaucoup de dégâts, hein. Tu fais genre 50 par auto, mais je m'imagine de 50 par auto. Ah, tu play toi aussi. Mais comment il met des dégâts alors que je suis en reflect? En reflect. Je sais pas moi. Ok. Je vais slay. C'est honteux. C'est giga honteux. Le fils est sorti de son inciblable. Le Garen a R. Et il s'est remis instant en inciblable et du coup ça a cancel le R de Garen. En fait, je l'ai juste slay. Avant que le R ait le temps de se cast. C'est n'importe quoi. Bon, Fiora c'est ok, mais c'est pas jouable quoi. Mais je peux pas slay tranquillement. Ils ont tellement d'AP, c'est horrible. Il y a combien le Vlad? Putain, j'arrive pas à voir. Moi je voudrais bien voir Fizz, on a combien? Si on a plus que moi, c'est honteux. Ouais, voilà! T'en as pas plus que moi! Peter Fizz! Non. Juste. Bute-le, comme ça je dis! Putain, mais crève! Ah là là. Peter. Fizz. Mec, regarde, moi j'ai trouvé ça, je suis plus rapide que Cassadin. Non, détruisez pas. Non. C'était marrant. Là, je suis déçu. De mon niveau de jeu incroyable. Non, bah si je suis déçu de ton niveau, c'est pas fou alors. C'est pour ça que j'ai rajouté incroyable. T'as quoi? J'ai rajouté incroyable à la fin de ma phrase. Bon, c'est bien ça, du coup j'ai... Project Fiora. Comme ça, Project Fiora. Bah j'ai le skin, mais j'ai pas acheté, parce que flemme. Il est pas beau en plus. Et c'est le meilleur. Attends, comment ça, ennemi 8 joueurs ennemis, je l'ai fait. Activé. Non, c'était des alliés. Gagner 2000 PO, mais je l'ai déjà fait. Bah ça c'est peut-être unlock que maintenant. Bah non, je l'ai eu ce matin. Ah ouais, je vois ce que tu parles. Alors mais ça se reset à chaque fois que tu l'as fait. Essaye de ne pas tuer 8 joueurs ennemis cette fois-ci, tu verras. Tu veux que j'arrête de slay? Ah, tu prends Soraka. Je vais pas arrêter de slay quand même. Ce serait dommage. Deuxième idée de pick broken. C'était quoi déjà mon deuxième pick broken? Il y a Leblanc qui est rigolo.